Donc, quelle a été votre vie, M. Guy Boucher ? Eh bien, moi, je suis né en 50, donc je commence à être assez âgé. Je suis né à Paris, et mes ancêtres sont originaires de Saint-Mémen, du côté de ma mère. Les premiers qu'on a relevés étaient en 1752, au Pagnon. Et il se trouve aussi que ma femme est originaire d'ici, et sa famille aussi, une vieille famille de Vaupétoury. Et donc, naturellement, je suis venu m'installer ici, après avoir fait une carrière militaire, qui m'a amené comme général vice-président de la commission de cessez-le-feu au Darfour, et j'ai terminé en 2005. Et là, quand je suis arrivé à la retraite, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour mon village, puisque j'habitais là. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être un projet à faire, puisque j'avais constaté depuis de nombreuses années déjà que la population de Saint-Mémen était en déclin. Hein, c'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, nous étions plus de 1000 habitants à Saint-Mémen, et en 2007, nous étions 265. Donc je me suis dit, il faut trouver un projet pour Saint-Mémen. Le projet, il était tout trouvé, puisque c'est les gorges d'Auvézère, c'est la nature. Et dès 2007, et même avant, il était de bon ton de revoir, vous savez, les loisirs verts, les sports nature, vacances nature. Et je me suis dit qu'à Saint-Mémen, c'était tout trouvé. D'autant plus que les agriculteurs ont besoin de ressources complémentaires. La ferme ne suffit pas, donc il faut leur trouver des ressources complémentaires. Et je me suis dit que le tourisme pourrait être un vecteur qui leur apporterait ces ressources complémentaires. Donc j'avais un projet. Et je me suis dit, il faut aller aux élections avec une équipe. Voilà donc ce qui m'a amené ici et ce qui fait que j'y suis encore aujourd'hui. D'accord. Ma carrière sur 35 ans de service militaire, j'en ai passé plus de 25 à la direction du renseignement militaire parce que il se trouvait que j'avais une licence de russe. Et qu'à l'époque, eh bien, l'ennemi c'était le communisme et c'était le monde soviétique. Et donc dès le début de ma carrière, j'ai été orienté vers ces pays-là et j'ai fait toute ma carrière dans cette direction. Et donc j'ai travaillé au-delà du rideau de fer, j'ai travaillé en Union soviétique et j'ai fini en Afrique, vous voyez. Parce que, pourquoi en Afrique? C'était pas lié au monde soviétique. Pourquoi en Afrique? Parce que les pilotes d'hélicoptères que nous avions pour nos opérations en Afrique étaient des Russes et qu'il fallait quelqu'un qui parle russe pour maîtriser toutes nos escadrilles d'hélicoptères. Voilà, et c'est pour ça que je me suis retrouvé en fin de carrière en Afrique, au Darfour. Ouais. D'accord, donc après la licence en russe, vous avez encore progressé, et vous parlez très bien russe, j'imagine. Oui, bien sûr. Après la licence, donc, j'ai été affecté comme traducteur aux frontières en période de guerre froide, c'est-à-dire dans les années 70-74, et j'étais donc sur la frontière tchèque, sur la frontière polonaise, partout où les Russes menaçaient nos frontières et menaçaient de nous envahir. Donc j'étais là-bas pour les écouter et dire à nos autorités quelles étaient leurs intentions. En 82, donc j'étais capitaine à l'époque, donc j'avais fini mon temps de commandement de capitaine. J'ai été affecté de l'autre côté du rideau de fer avec les unités des forces spéciales, 13e RDP, 1er PIMA, donc pour surveiller l'ennemi entre guillemets de près. Et nous étions au contact des Russes. Pendant 4 ans, j'ai fait ce métier. C'est ce qui m'a valu d'abord d'écrire un livre, co-écrire un livre avec un de mes chefs de l'époque, le général Magnifica, qui est dans ce livre, qui s'appelle « Mission derrière le rideau de fer ». On parle de mes, entre guillemets, exploits, puisque à l'époque, j'étais un ancien rugbyman, j'avais pas froid aux yeux, et j'ai fait pas mal de choses qui sont expliquées dans le livre. Voilà, c'est tout, c'est modeste. Et donc vous étiez en civil? Ah non, les accords de Noir et Malinine, c'était des accords qui prévoyaient que nous devions intervenir en tenue militaire. D'accord. Mais vous savez, c'était des tenues très camouflées et on travaillait surtout de nuit. Et donc on avait des astuces pour faire notre travail correctement. Mais je ne vais pas dévoiler le secret, mais que maintenant c'est dans le livre. Il y a prescription, donc on peut lire toutes les actions qu'on a faites, en particulier une des missions essentielles, c'était d'informer nos industriels de l'armement sur les technologies de l'ennemi potentiel. Donc il fallait s'approcher au plus près des matériels pour essayer de voir de quoi ils étaient le matériel était, de quoi ils étaient composés, etc. Et en particulier récupérer certains matériels pour pouvoir les analyser, les étudier et pour trouver la parade.
Voilà, c'était le but. Et donc tout ça, plus ou moins nuitamment, tenue de camouflage. Ah oui, oui, c'était, on partait des missions qui duraient 3 à 4 jours, et on suivait les convois, on s'enterrait, c'était passionnant. Et avec des équipes de 3, voilà, c'était super. Et bon, ça c'était du côté du Rhin de Fer, et ensuite je suis parti au-delà, en Union soviétique, à Moscou, et dans toutes les capitales, j'ai travaillé dans toutes les capitales de l'ex-Union soviétique. Mais là, en civil, quand même. Ah, là, en civil, en tant que diplomate, avec le statut diplomatique, mais la mission première, c'était bien sûr les relations entre nos deux pays, les relations diplomatiques, mais il y avait toujours cette mission de regarder ce qui se passait et d'informer le commandement sur les intentions, sur les préparatifs et tout ce qui se passait. Voilà. D'accord. Donc, en 2007, quand j'ai pris, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un constat et je me suis dit qu'il y avait un beau projet à faire. Au passage, je remercie mon prédécesseur, M. Lasterna, qui nous a laissé une situation financière très saine, ce qui nous a permis tout de suite d'enclencher sur notre projet. Ce projet, eh bien, c'est de développer le tourisme à Saint-Mémen et tout ce qui est loisirs verts, sport de nature, etc. Donc, pour cela, nous avons engagé d'énormes travaux dans le Cantou, qui était notre gîte de groupe, qu'on a entièrement modernisé, et pour un coût total quand même de 550 000 euros, dont plus de 60% subventionnés. Hein, ce qui veut dire que notre projet, eh bien, il est accepté par nos autorités, aussi bien du Conseil Général que de l'État, puisque l'État nous a subventionné plus de 100 000 euros, le Conseil Général OTAN, la région et l'Europe. Donc ça veut dire que cette idée de trame verte, de promouvoir tout ce qui est le sport de nature, fait son chemin et que c'est l'avenir de nos campagnes. Donc on est là-dessus. Le Cantou, j'espère qu'il sera terminé et inauguré en mai-juin cette année. Et vous verrez, ce sera un bel établissement qui permettra justement de compenser la perte en habitants. Hein, il faut savoir qu'entre 2007 et 2011, date des deux derniers recensements, nous avons gagné plus de 50 habitants en Saint-Mémen. Grâce à cette politique de faire venir non seulement des touristes, mais des gens qui viennent se reposer, ou même de jeunes couples qui viennent s'installer ici parce que c'est calme, parce que là il y a la nature, parce que tout est bon, l'air est pur, et que à côté vous avez le bassin de Brive, le bassin de Saint-Thierry, où il y a quand même quelques emplois qui sont proposés. Voilà, donc ce projet avance, et avec l'équipe actuelle, j'entends le poursuivre jusqu'au moins en 2014, puisque sur une seule mandature, ce n'était pas possible d'amener un tel projet. Alors donc, monsieur le maire, vous êtes en train de me dire qu'il y a trois catégories de personnes qui peuvent venir s'installer aujourd'hui à Saint-Mémen. Quelles sont-elles? Oui, en effet, il y a vraiment trois catégories. La première, ce sont les retraités qui viennent ici pour profiter de la nature. La deuxième, ce sont les gens qui viennent, qui sont un peu babacool et qui veulent profiter aussi de la nature en vivant le plus près possible de la nature des oiseaux. Et la troisième, ce qui est aussi une des plus importantes pour nous, ce sont les jeunes couples qui viennent s'installer ici parce qu'ils ont du travail maintenant du côté bassin de Brive, bassin de Saint-Thierry, et ils viennent avec des enfants, ce qui grossit les rangs de nos enfants. Nous sommes passés de 15 enfants à une trentaine à l'heure actuelle, donc c'est très intéressant pour nous, et l'avenir de la commune, il est là. Nous avons 30 enfants, mais malheureusement pas d'école, et nos enfants vont dans les écoles d'à côté, Paysac, Exideuil, La Noaille. Cela dit, si ça continue comme ça, pourquoi pas? On a les structures pour pouvoir une école. Ici même, vous êtes dans l'ancienne école. Donc pourquoi pas la remettre en place, mais dans un avenir un peu plus lointain. Bien sûr. Voilà. Saint-Mémen est situé à un carrefour stratégique, je dirais, puisque nous sommes à 25 minutes de Saint-Thierry-la-Perche, 40 minutes de Brive, 20 minutes de l'autoroute A20 qui va sur Paris, et à peu près aussi 20 minutes de l'autoroute A89 qui va vers Clermont-Ferrand, Bordeaux et le Sud. Donc ici, toutes les conditions sont remplies pour que des gens viennent s'installer, puisque les distances ne sont pas très grandes, si vous voulez. Ouais. Voilà, donc... Quand on est ici, on se sent périgourdin ou on se sent un peu limousin? Ah, quand on est ici, on se sent périgourdin, d'abord,
Et en particulier, on est, disons, stimulé par le Sarladé qui est à côté, hein, où Sarlat, c'est quand même une référence. Eh bien, nous, on a trouvé un nouveau concept, c'est le concept Périgord Sensation, qui doit compenser à la fois les saveurs, les mets de Sarlat, mais nous, on ajoute en plus la nature et tout ce qui est vert, et l'eau vésère avec ses gorges, et tout ce qui est naturel, donc sport de loisirs et tout ça. Donc, on a un atout supplémentaire à Sarlat. On a aussi tout ce qui est la gourmandise, puisque vous avez la truffe qui est pas loin, à Thiviers, vous avez la pomme, pas celle du Limousin, mais celle du Périgord, hein, celle du Limousin, bon, ça se tient, c'est limitrophe, mais là aussi, à La Noaille par exemple, c'est la capitale de la pomme. Et vous savez que dans l'avenir, ben, La Noaille et notre communauté de communes vont fusionner, donc on sera tous ensemble, et plus ensemble, plus solidaires, et je pense qu'on aura des atouts à faire valoir face à des, je dirais, des monstres comme Sarlat. Voilà, donc c'est pour ça que nous sommes très confiants sur l'avenir, et nous avons également le château d'Hautefort, et Hautefort rentre aussi dans notre domaine de curiosité et de, pour l'accueil des touristes et tout ça, donc voilà. Alors, c'est très frappant quand on arrive de Périgueux, hein, je veux dire, c'est que quand on arrive à partir de moins 10 km à peu près de Saint-Mémin, eh ben, ça devient presque de la moyenne montagne, enfin, je veux dire, on est presque... C'est presque de la montagne ici. Vous avez tout à fait raison. Ici, il faut savoir que nous sommes un des points culminants de la Dordogne. Notre site des âges culmine à 410 mètres. Et quand nous allons vers le sud, les gens nous disent « Alors, à Saint-Mémin, est-ce qu'il y a de la neige ?» Donc, ils nous considèrent déjà comme en moyenne montagne. Ouais. Ce qui est un peu le cas, puisque nous avons de la neige, alors que les autres n'en ont pas. Ouais. Mais bon, cela dit, ça a un attrait supplémentaire, je pense. Ces gorges, dans ces gorges, les mouflons, là aussi, c'est une curiosité. Et puis, toute la nature environnante, les chevaux, les mouflons et tout ça. Donc, c'est formidable. Les gens viennent de loin pour voir ces animaux et voir également d'autres choses qui sont dans les gorges de l'eau Vézère ou sur la colline des âges, des plantes particulières, des oiseaux spéciaux, tout ça, ça existe à Saint-Mémin parce qu'on est un peu en altitude. Voilà, donc moyenne montagne, c'est ce qui nous caractérise aussi. Bon, vous n'avez pas des Delvaise quand même. Non, mais on a les myrtilles. Ouais. On a les myrtilles, il n'y en a pas d'autres en Dordogne, vous voyez. Notamment au Puy des Âges. Au Puy des Âges, oui, absolument. La situation du point de vue commerçant et artisan n'est pas très très bonne, puisqu'on n'a personne, on n'a pas de commerce, mais nous envisageons à partir de cet été de faire un test, une épreuve test, d'ouvrir un petit commerce pendant toute la période estivale par l'intermédiaire de notre association, et un bénévole travaillera là et on proposera à nos touristes des sandwichs, des boissons et tout un tas de choses que les touristes souhaitent avoir, de façon à attirer ces touristes-là et à ce qu'ils restent la journée sur place. Ensuite, il est prévu aussi, à l'horizon 2016-2017, notre canton de le privatiser. Et là, nous envisageons d'y ouvrir peut-être un multiservice avec le gérant qui sera là à cette époque-là, multiservice et peut-être un hôtel-restaurant également. Mais ça, c'est en fonction de la réussite de cet été et de ce qui va se passer ensuite. Et il y a un deuxième aspect, ce sont les artisans qu'on voit. Il y a de plus en plus d'artisans qui travaillent par Internet. Et actuellement, sur Saint-Mémin, nous avons déjà 3 artisans qui sont venus s'installer dans ce domaine-là. Ils travaillent par Internet, ils font leur devis par Internet, et ils ont leurs outils, et ils vont travailler dans le domaine de la couverture, de la menuiserie, maçonnerie. Et nous avons une proposition à faire aussi. Nous avons l'ancien atelier du forgeron qui va être disponible et nous recherchons un chaudronnier ferronnier qui pourrait même faire des œuvres d'art puisque tous les matériels sont là pour travailler le métal à la façon ancienne. Eh bien, si on pouvait trouver un jeune couple qui veuille s'installer ici, ça serait intéressant, ça redynamiserait, si vous voulez, le bourg. Donc, nous y pensons et nous travaillons dans ce sens. Et je dirais, moi, en tant que vice-président de la communauté de communes chargée de l'économie, c'est un atout essentiel, et c'est une de mes missions essentielles, c'est d'essayer de redynamiser les centres-bourgs
et de faire en sorte que ces centres revivent. Et s'il y a de la vie, eh bien, il y a des gens qui viendront, et donc la population augmentera. Et tout ça aussi entre dans le cadre du nouveau PLUI, où les services de l'État visent à regrouper les gens autour des bourgs et à redynamiser tous ces bourgs. Donc nous sommes tout à fait dans l'esprit des lois actuelles et de ce qui se décide à haut niveau. Donc on applique les consignes et on est à fond engagé dans ce sens. Voilà. D'accord. Juste une question, donc les trois artisans qui travaillent par Internet, ils étaient de Saint-Mémin ou ils sont... Non, ce ne sont pas des gens qui étaient... Les trois artisans sont des gens qui arrivent de l'extérieur, qui sont venus s'installer ici à Saint-Mémin, parce que... donc ils ont trouvé l'espace ici sensationnel, et également des débouchés, puisqu'il y a quand même dans le marché de l'artisanat, il y a des débouchés, il y a du travail à faire. Voilà, à condition d'être bien sûr raisonnable. Alors, monsieur le maire, vous avez un invité de choix, je crois. Oui, affirmatif. Nous avons avec nous Marouane Bérénice Arlandi, qui est le petit-fils de Charles Arlandi, notre héros municipal, et je dirais régional, même national, de la résistance, je pense. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'être... Je suis plein d'émotions. Non, mais c'est vrai que c'est très chouette. Déjà, on a eu la chance d'avoir une belle cérémonie, à l'honneur de mon grand-père. Donc, on est sur la place Charles Arlandi, donc c'est déjà un bel honneur. Et donc, voilà, non, c'était vraiment un moment très agréable, très à la fois solennel et en même temps ouais, puissant, je dirais qu'il y avait plein de gens très agréables pour nous accueillir et ouais, c'était chouette, très chouette. En fait. Est-ce que tu as découvert des choses Ah oui, bah bon, après je connais un peu toutes les histoires de ma famille, on en parle depuis qu'on est petit, moi j'ai bien connu mon grand-père, bah après malheureusement il est décédé un peu vite quand j'étais jeune, mais c'est vrai que c'est des histoires qui ont bercé un peu mon enfance. Donc là, oui, j'en apprends encore des choses, monsieur le maire en parle très très bien, Pierre aussi qui nous présentait le livre aujourd'hui, non, c'est... Oui, j'ai hâte de lire. Découvrir le livre surtout. D'accord. Pour en connaître encore plus. Donc ça t'a sensibilisé. Ah bah oui, bien sûr. Oui, c'est très sensible. D'accord. Vraiment. D'accord. Et puis ça fait toujours bizarre d'entendre parler de son grand-père comme un grand homme. Moi, c'est vrai que c'est avant tout mon grand-père, comme un héros. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'à la base c'est que mon grand-père et c'est bizarre d'entendre parler comme ça par des gens extérieurs à la famille et qui ont beaucoup de respect pour eux, pour lui. En tout cas, nous, ce qu'on lui souhaite, ce qu'on souhaite à Marouane, c'est qu'il ait la même notoriété que son grand-père et qu'il dépasse même encore les frontières. Voilà. J'espère. Mais on continue, voilà. On va se battre. Merci. Bon, alors Marie, vous êtes née en quelle année, s'il vous plaît? 36. D'accord. Vous êtes née à Saint-Mémin? Oui, monsieur, dans cette maison. Quand j'étais petite, vous savez, on n'avait pas bien d'activité. Hein. Moi, j'avais une sœur. Que je n'ai plus maintenant. Donc vous vous amusiez avec votre sœur dans la ferme? Oui, j'avais 5 ans quand je suis allée à l'école. Et puis au lieu d'écrire, vous savez ce que je faisais? Non. Et je faisais les chatouilles aux garçons. Les chatouilles? Oui. Ah mais vous étiez coquine à l'époque. Hé, hey, qu'est-ce que vous voulez? Et il y en avait un qui disait, oh, Marie, regarde, regardez, il me disait. Il y a la taupe qui bouge. Son oiseau, il commençait à... Eh oui, le petit oiseau, il commençait à bouger. D'accord, ok. Et alors, moi, le soir, quand je rentrais, je disais à maman, mais dis donc, je sais pas, qu'est-ce qu'il a, Riri? Il a quelque chose dans sa culotte qui se remue. Eh? Alors maman, elle me dit, oh, il est bien trop bête, elle me disait, mais laisse faire. Mais elle m'avait jamais expliqué ce que c'était. Ouais, ouais. J'ai compris plus tard. Ah oui, ça, oui, j'imagine. Mais tout ça, c'était à l'âge de 5 ans? Non, quand même pas. Ah ben si, c'était quand j'allais à l'école, mais oui, bah, quand même plus vieux. Oui, hein. Voilà, parce que 5 ans quand même. Parce que lui, il était de mon âge. D'accord. Et bon. Il était quand même plus avancé que moi. Ah, d'accord. Vous le croisez des fois? Mais je le croise bien, puisque c'est mon voisin. Ah ben ça doit être rigolo comme souvenir, non? Oh, on a de bons souvenirs, oui. Je comprends bien, oui. Ah, ça c'est excellent. Bon, d'accord, je vais pas vous croyez pas, vous croyez pas venir voir une vieille qui vous raconte ça? Non, j'avoue que je suis sidéré, mais bon. Mais ça va être dur de le mettre dans le film. Hein. Ou alors je mettrai bip, enfin je sais pas, il faut que je vous floute. Ouais. Bon, non, allez, sérieusement. Alors, ils étaient bien les maîtres à l'époque? C'était sérieux quand même, on apprenait bien? Ah oui, ah oui. Ouais.
Et puis on aimait nos instituteurs, ils étaient gentils. Ouais. Mais donc, à 5 ans, donc vous êtes né en 36, donc à 5 ans, on était en 41, vous étiez à l'école à partir de la guerre, là, pendant la guerre. Oui. Ouais. Et vous avez des souvenirs de tout ça? Oh oui, parce qu'on nous a tué notre instituteur pendant la guerre. D'ailleurs, il y est, vous le verrez sur le livre. Et pourquoi? Pourquoi? Ben parce qu'il n'était pas du même parti des autres. Il était résistant? Ou au contraire, on ne sait pas. Enfin bon, bref, oui. Oui, moi, je ne peux pas faire de politique. Non, non, mais c'est pas... Bon, pour des faits de guerre, on peut dire, votre instituteur a disparu, malheureusement. Donc, on l'a remplacé. D'accord. Vous avez eu un nouvel instituteur. D'accord. Ça a dû être terrible pour la classe. Ça a dû être un choc. Quand on nous... un voisin est monté, il dit à maman, « Faut pas envoyer tes petites à l'école parce qu'ils ont tué Rouviné. » Mais nous... On n'approfondissait pas, on ne savait pas pourquoi. Et bien plus tard, après, sa femme, elle nous a donné sa photo. Et que j'ai mis avec... dans le livre. Dans le cahier. D'accord. Et alors après la guerre, vous êtes devenue une jeune femme, vous vous êtes mariée, j'imagine. Oui. Et là, vous avez vu... Saint-Mémin, petit à petit, se transformer, je suppose. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir des années 50, 60? On avait de travailler, il fallait travailler. Oui. Vous travailliez à la ferme à l'époque? Oui, puis on n'avait qu'une vache. On l'a liée comme un cheval. Marchait comme un cheval. Et puis allez. On allait chercher notre bois, on faisait ce qu'il y avait à faire. Ouais. Donc en tout et pour tout, à la ferme, vous aviez une vache, et puis quoi d'autre? Une vache, une chèvre, un cochon, quelques poules. Ouais. On faisait un peu de vin. Ouais. Il y avait quoi, 2 rangs de vigne? Ouais, ouais. Et bien elle guérissait les gens, c'était une guérisseuse. Déjà, il y avait une petite qui pouvait pas marcher, elle avait 2 ans et demi. Et bien, elle l'a faite marcher. Elle avait un don. La Claudette. Elle était connue pour ça dans la région. Oh, ben, peut-être pas tellement, parce que vous savez, les gens, ils se soignaient comme ils pouvaient. Il n'y avait pas les docteurs qu'il y a aujourd'hui. Mais bon, elle guérissait, hein. En touchant... Ah mais je sais pas comment elle faisait. Avec des potions... Non mais je sais pas, je veux dire, d'accord. Je sais vous pas comment pas. Elle d'accord, faisait parce pas. Que moi je l'ai pas... Vous l'avez pas connue. Et vous avez pas hérité de ce don? Mais si, je l'ai, alors attention. Voilà, vous aussi... Mais vous, si, je vous, l'ai. Vous avez hérité don. Pas tout, d'accord. Sûrement pas d'accord. Tout. Mais dernièrement, il est venu une dame avec son petit garçon. Ils étaient brûlés. Eh bien, je lui ai enlevé le feu. Eh bien, elle n'était pas un peu contente. Mais je viens vieille pour faire ça maintenant. Mais là, ça a marché. Ça lui a enlevé le feu. Ah, ça a marché, oui. Et d'ailleurs, je peux vous dire où elle habite. Elle habite au Grand Clos. C'est... Comment elle s'appelle, la dame? Oh, je m'en rappelle plus. Madame Touillet. Ah bon, ah oui. Elle était contente, elle est bienvenue 3 fois. Ça, c'est marrant, ça. On pourrait aller la voir pour dire ah, ça a marché. Je pense que... Et la première que j'ai fait, ça a été ta fille. Oui, je sais. Oui. C'était Marie-Claude. Qu'est-ce qu'elle avait? Eh bien, elle s'était brûlée. Mais elle s'était brûlée comment? Je sais que ton père avait disputé Christiane. Pourquoi c'est que vous la laissez là? Mais je sais pas comment, où c'était même, c'était une main, je sais plus. Je me rappelle plus. Ouais. Chaque fois que vous avez guéri quelqu'un, ça a été comme ça pour rendre service. Vous n'êtes pas devenu rebouteux, professionnel, si j'ose dire. Moi, j'ai pas les dons des rebouteux, hein. Non. D'accord. Comment vous trouvez Saint-Mémin? Vous y allez des fois au bourg, là-haut? Comment? Des fois, vous allez dans le village? À Saint-Mémin?
C'est mon village. Oui, donc vous y allez de temps en temps. Eh bien, c'est que je peux plus marcher, monsieur. Ouais. C'est ça qui m'ennuie. Ouais. Alors, je prends bien un bâton, une canne. On voulait me donner un déambulateur. Oui. Vous me voyez dans les routes avec ça? Moi, ouais. Ouais, effectivement. Alors, je reste chez moi. Ouais. Ouais. Voilà. Et des fois, vous voyez des touristes qui passent l'été à pied, qui se promènent? Ah oui, il y a des gens. Comment dire, ceux qui passent des épiciers, des boulangers, on n'a pas de... De boucher. De boucher, oui. Ouais. D'accord. Il y en a un qui passe, qui m'a vendu des saucisses l'autre jour. Ah ouais. Mais... D'accord. C'est pas ça. Quand Constant y passait, quand même, tous les samedis, on avait notre viande. Et là, maintenant, il n'y a rien. Ouais. Votre père, qu'est-ce qu'il faisait exactement? Papa, il était cantonnier à la ville de Saint-Mémé. D'accord. Voilà. D'accord. Et il est mort à 81 ans. Ouais. Alors donc... Eh oui, il n'y avait pas de camion à l'époque, enfin, ou très peu, il y avait un camion peut-être. Maman, elle était partie beaucoup plus tôt, elle avait que 60 ans, même pas. Ah oui, elle est partie jeune, oui. Et alors, il travaillait comment? Avec la faux. Ouais. Il n'y avait même pas de barbette comme il y a maintenant. Que c'est électrique maintenant, c'est... Donc il faisait le bord des routes, ah, oui. Tout ça quoi. Et même dans le centre, il fallait peut-être un peu passer le... Ah, oui. Ouais. Et je vais vous poser une question indiscrète, mais n'en prenez pas ombrage. Vous êtes une famille entre guillemets catholique ou pas trop? Vous êtes croyante? Est-ce que vous croyez en Dieu? Mais si je croyais pas, je ferais pas ce que je fais, monsieur. Oui. D'accord. Il faut être croyant pour faire ça. Et j'avais une cousine, elle est morte, la pauvre, mais elle m'avait fait aller à Cuba parce qu'elle voulait m'apprendre ce qu'elle savait. Et en effet, elle m'a transmis, la Marissou, elle m'a transmis ce qu'elle savait. Mais c'est pas du facile, vous savez, parce que quand je pratique ça, eh ben j'ai froid et je baille et je baille et je baille. C'est bizarre. Hein? Je suis né en 1952. D'accord. Et vous êtes né à Saint-Mémé? Non, Exideuil. Enfin, vous êtes de Saint-Mémé. Saint-Mémé, oui. Alors parlez-moi un peu du Saint-Mémé des années 70. Vous vous souvenez 60, 70, quand vous étiez petit, 60? Oui, 60, même un petit peu avant, parce qu'on discutait beaucoup en famille, là, à Saint-Mémé. Il se passait un truc important à l'époque, c'était sur l'Auvézère, il y avait eu les champions de France de kayak. Alors, nous avions un pépé qui était venu là, de Normandie, qui pratiquait le kayak. Alors, il avait découvert cette rivière, qu'il avait beaucoup exploitée, et il naviguait que sur ce que nous appelons de grosses rivières, avec un débit, tout, et de bons passages. Parce que les rivières sont classées suivant la catégorie. Alors là, nous avons la chance, nous avons une belle rivière, l'Auvézère, qui est classée en trois catégories. Une partie de Sagnac-Lédrier, Saint-Mémé, qui fait environ 2 km 500, qui est, pour les gars, bien confirmé, qui fait classe 3, 4 et 5, avec le passage du surruban suivant les niveaux. Et une autre partie, Saint-Mémé, le Père Bendou, qui est plus cool, moins dur. Et après, une autre partie encore moins dure pour les débutants, du Père Bendou, Oumelin du Pont. Et après, on peut faire, là pour les touristes, pour les gars, n'importe qui peut le faire, du Moulin du Pont jusqu'à Chervé-Cuba, Tortorac, même Périgueux. Voilà. Alors, sur cette rivière, ce monsieur, il avait même eu lieu les champions de France. Dans les années 1950-60, il y avait tous les ans champion de France.
puisqu'il n'y avait que cette rivière qui était reconnue valable. Dans la région ou pour la France ? Pour la France. Donc forcément, dans les années 50-60, les championnats de kayak se passaient à Saint-Mémen. À Saint-Mémen. Dans ces années de 55 à 65, il y avait les champions de France. Alors bon, il y avait le passage du Sorubam, une grosse chute, et il y avait une foule immense qui venait pour voir ce passage. Voilà. Et donc c'était la seule épreuve du championnat de France en France ? En France. Il n'y a pas d'autres rivières susceptibles ? Non, il n'y avait que là. Puisque c'était organisé par ce monsieur Teignière, c'était lui qui s'occupait de ça. Il s'occupait en plus du Touring Club de France. Voilà. D'accord. Il y avait que là. D'accord. Il y avait même des courses internationales. Il y avait des Suisses, des Anglais qui venaient naviguer. Puisqu'il n'y avait pas beaucoup de pratiquants à l'époque de canoë et kayak. Maintenant, les champions veulent des volumes d'eau contrôlés. Ça se fait maintenant comme une autre rivière, pas loin de Trégnac, avec lâcher d'eau, tout, voilà, ils sont sûrs d'avoir le volume qui leur convient, tout. Là, quand même, il y a 4 ans, nous avions fait un sélectif de sprint national, en dessous le Sorubam, c'est même, il y avait un bon niveau d'eau, tout. Les gens aiment bien venir parce que la rivière est belle. Et vous avez même eu un sacré champion. Eh bien, sur cette rivière, Tony Estanguet, il a fait ses premiers pas, là, sous nos yeux. Et même la championne du monde à l'heure actuelle, Manon Oster, a fait ses débuts sur l'Auvézère. Quels sont vos souvenirs du Saint-Mémen centre des années 60 ? Centre, ben oui, il y avait le village, bon, on y allait, oui, on allait au catéchisme et à l'école. Et, ouais, il y avait 3 ou 4 bars, une boulangerie et une épicerie. C'était l'épicerie qui nous avait le plus marqué parce qu'on faisait des courses pour les parents et on avait une petite pièce pour acheter les petits bonbons pour nous en sortant de l'école. On accompagnait surtout le grand-père pour la batteuse. C'était pour les anciens, c'était une fête. Alors un jour c'était chez l'un, un autre jour chez l'autre et nous on aimait participer parce que bon, vous ne travaillez pas, mais on jouait avec les autres petits voisins et le soir ils jouaient l'accordéon, ils dansaient. C'était la fête. Comme parce qu'il n'y avait qu'une batteuse pour la commune. Ouais, ouais. Elle faisait plus une, elle faisait tout le. Et elle appartenait à qui cette batteuse ? Un entrepreneur, un gars qui allait de maison en maison. Qui se louait avec sa batteuse. Ouais. D'accord. Comment vous avez vu l'évolution jusqu'à aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez à dire sur le Saint-Mémen d'aujourd'hui et peut-être aussi de demain ? Ah ben oui. Ah oui. Et oui, dans le petit village de Saint-Mémen, il n'y a plus que 5 ou 6 habitants. Dans le bourg. Dans le bourg. Oui, c'est triste quand même. Nous, on a connu 15-20 habitants. Il y avait une poste, il y avait un bar. Et il n'y a plus rien. Donc maintenant, qu'est-ce que vous faites, monsieur ? J'ai fait un gîte, je me suis occupé là, pendant plus d'un an, à créer un gîte. Que je loue l'été pour les vacances. D'accord. Et il peut aller jusqu'à combien de personnes ? 4 personnes. Et c'est un gîte très simple, un gîte à la ferme. Les touristes peuvent visiter la ferme, je les accompagne des visites dans la forêt ou aux champignons ou à la pêche. Voilà. Et comment ils connaissent l'existence de votre gîte ? Eh bien, nous sommes au gîte de France. Voilà, c'est ça. Et donc il y a des photos sur Internet. Oui, oui, il y a tout ça, oui. C'est des gens simples. Pour l'instant, nous avons eu des gens sympas qui viennent pour découvrir la région. Ils aiment c'est des gens qui aiment la nature, la promenade, se promener à les gorges, au bord de la rivière. Et si vous devez faire un pourcentage entre les Français et les étrangers, vous êtes à combien ? Ah ben, nous n'avons que des Français. Oui, que des Français. Vous, par exemple, en tant qu'observateur extérieur, puisque maintenant vous êtes à la retraite, vous pensez qu'il y a des possibilités que des jeunes agriculteurs téméraires, courageux, reprennent peut-être des néo-ruraux ? Oui, c'est possible. Une petite agriculture raisonnée, mais bon, c'est pas la politique à l'heure actuelle, c'est tout des gros trucs. Ouais. C'est tout gros, j'étais encore. Je suis à la retraite, mais je m'intéresse toujours un peu. J'étais en assemblée générale de CUMA, là. Toujours gros. Maintenant. C'est quoi CUMA ? Avec un groupement d'agriculteurs pour acheter du matériel en commun.
Et ben bon, ils vont vous expliquer tout ça, mais c'est impensable encore les techniques qu'ils ont pour semer du blé, tout. Là. Un gars, il a semé du colza sur le maïs, il m'expliquait sans labourer ça, il y a une machine, je ne sais pas combien coûte de millions d'euros. C'est formidable, il m'a dit. Lui, il était là, puis regardez. Bon, il va vous expliquer ça, monsieur Combi et Pascal. Simplement, je suppose que les surfaces agricoles sont plutôt réduites ici. Non, enfin réduites. Moi, à l'époque, quand je travaillais, on avait fait le tour pour quand nous avons créé cette CUMA, 70 agriculteurs. J'avais 45 ans. Et à l'heure actuelle, bon, moi j'ai 60 ans, dans les jeunes entre 20 et 30 ans, il y en a 5 ou 6. Et ils font presque tout le travail. Mais moi j'avais un petit tracteur 50 chevaux, eux ils ont des 200 chevaux, GPS, tout. C'était quoi la marque de votre tracteur? Moi j'ai eu un Massé, terminé avec un Fendt. Mais non, mais c'est, ils ont du matériel. Donc toutes les surfaces agricoles cultivées sont tenues par 5 ou 6 familles. Ouais. C'est comme toujours dans la vie, c'est un peu par hasard. On a compris que simplement il y a une certaine virtualité. Il y avait un truc qu'on a entendu parler de plus en plus et on a cherché. Bah, bien sûr, quand on cherche, on trouve rien. Et à un certain moment, un ami a appelé, ouais, bon, j'ai un ami qui a un bon ensemble, et il pense à vouloir le vendre, il veut rester aux Pays-Bas, et ben, quand on a vu le site, on est tout de suite tombé en mur. On est parti dans les gorges autour, et c'est tellement magnifique qu'on a dit, c'est exactement ce qu'on a besoin pour le projet qu'on a en tête. Et maintenant, décrivez-moi le projet que vous aviez en tête. Ouais, bon, le premier but, moi j'étais éco-constructeur et ma femme céramiste, c'était de changer la vie et de venir plus proche de la nature. Et on a voulu créer une ferme biologique dans laquelle on a pu montrer les gens d'autres techniques, des techniques... Ben, assez simple, et donc c'est en fait une ferme qui doit inspirer les gens, et donc pas uniquement l'agriculture, mais aussi pour rénover cette site, on veut travailler uniquement avec des techniques écologiques, et donc les techniques sont très intéressantes, très expérimentales, et c'est bien d'avoir des gens qu'il comprend cette connaissance, c'est une connaissance à partager en fait. En 2000, ma femme et moi ont démarré un petit camping à la ferme, nous étions adhérents d'Accueil Paysan depuis le début, depuis 2000, et on a monté cet Accueil Paysan, camping jusqu'à Air Naturel, 20 emplacements, parce que cet accueil marche bien, les gens sont toujours très surpris de cette interaction et il y a cette demande. Donc ici, on est super bien placé, en plus très bien soutenu par la mairie, monsieur le maire et le comité de communes pour développer ce projet ici, comme on a fait. D'accord. Alors, de quel concept s'agit-il ? Le plus important, c'est on veut montrer une vie qui est différente, une vie qui est plus proche des idées écologiques, des solutions plus proches de la terre. Donc on envisage, on est en train de monter une grange, de la construire avec des bottes de paille, l'ossature bois, du bois d'essence d'ici. Il y a le potager, donc on a des légumes de la ferme, des poules pondeuses, des chèvres,
On veut créer un centre où les gens viennent pour soit apprendre ou tout simplement d'acheter des produits. On fait des paniers. Il y a des, nous avons une petite épicerie qui va agrandir au fur et à mesure. Quand il y a plus de clients, on peut acheter plus de différents produits du soin quotidien, etc. D'accord. Alors j'ai cru comprendre que, par exemple, votre femme vend, par exemple, sur Brive. Enfin, je veux dire, vous vous déplacez aussi. Un peu. Oui, nous avons des clients jusqu'à Tourtoirac, sont nos salades, les aubergines, les œufs, et ben, ça bouge un peu. Hein. J'ai livré des choux hier, donc, et il y a un temple zen à la coquille qui a des produits à nous, et il y a quelqu'un sur le marché de Limoges qui vend des, nos œufs en dépouvante. Et en plus, nous avons créé un lien entre tous les autres maraîchers bio dans ce secteur. Et pour fournir des légumes aux écoles, parce que c'est là les écoles, les EHPAD qui cherchent des légumes bio, et ensemble on est fort, et tout seul on est trop petit. C'est difficile à livrer 70 kg de patates de certains calibres, mais ensemble à deux nous le pouvons, donc c'est ça aussi. Nous avons créé une plateforme pour pas être concurrent, mais pour travailler ensemble. C'est ça. C'est le but d'AgroBio de Périgueux, de grouper les gens, et c'est avec eux qu'on a développé cette réseau. Ouais, c'est Ils mangent bio. Qui gère maintenant toute la comptabilité de tous les contacts. D'accord. Alors, l'accueil que vous avez trouvé ici, en arrivant de Haute-Vienne, vous êtes arrivé en 2011, si j'ai bien compris. Oui. Voilà. Oui. Alors, quel a été l'accueil, je veux dire, des voisins, tout simplement, de la commune, je veux dire, des habitants, sans parler de M. le maire, mais des habitants. Très ouvert, très... très dynamique, on fait quelque chose que personne ne fait ici, et les gens sont curieux. Au même temps, ils ne viennent pas tous les jours. C'est dommage, parce qu'on est là pour eux, et on veut bien qu'ils viennent plus pour découvrir. Oui. Mais les gens d'ici sont peut-être un peu fermés encore. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont un peu, je vais employer des mots en français, j'espère que vous comprendrez, mais enfin, certainement, vu votre niveau de français, mais je veux dire, ils sont entre la curiosité et l'incrédulité. Ils sont un peu entre les deux. Oui, je crois, oui. Oui. Les gens qui viennent ici nous trouvent quand ils cherchent une ferme biologique, et ils viennent pour camper, pour la vacance, mais aussi pour cette expérience. Et dans l'association, c'est possible de travailler à la terre, d'aider une matinée, désherber, ou planter, ou arracher des patates, des trucs. C'est interactif. Et dans le futur, on va faire d'autres choses, comme j'ai dit, on va bâtir en botte paille. Et on imagine d'attirer les gens, d'aider dans les projets comme des formes de stage. Et dans une association, c'est possible. Donc c'est pour nous l'outil pour
pour avoir le droit de faire les échanges. C'est l'outil adapté. Ouais, exactement. D'accord. Exactement. D'accord. Et vous faites un peu de communication, par exemple à la mairie, il y a une petite affichette, il y a des choses comme ça. Ouais. Vous êtes dans des répertoriés, dans des guides. Oui, mais on est là depuis 2 ans maintenant. Ouais. Donc, au fur et à mesure, ça va obtenir le valeur qui est nécessaire pour que ça marche vraiment. Et donc le but, c'est que quand le PLUi sera actif, d'être à niveau vraiment fonctionnel. Ça veut dire quoi le PLUi ? Le PLUi, c'est le plan local d'urbanisme. C'est-à-dire plan local d'urbanisme. Non, mais je me le dis pour... D'accord. D'accord, okay. Ouais. Et ça va être... C'est quand ? 2017. Ouais. D'accord. Ouais, 2016, 2017. Donc, horizon 2016-2017, vous aurez avancé dans votre préparation, et en plus, on arrivera... À un état, à quelque chose d'administratif qui correspondra à votre insertion. Exactement, oui. C'est ça. Ouais. Donc le grand rendez-vous pour vous, c'est 2016. Ouais, 2017. Nous sommes tout seuls, ma femme et moi, on a le plupart du temps, on n'est que deux. Donc, tous les différents projets, c'est petit à petit. On cherche toujours des gens qui veulent venir aider. Mais c'est un projet du long terme. Ça va prendre 15 années pour tout faire ce qu'on a en tête. Ouais. Et c'est ça aussi le but, c'est cette évolution. C'est ça qui est intéressant, un projet, un produit fini a perdu un truc. C'est le projet qui est intéressant. Vous êtes artiste et vous avez deux projets ? Ouais, moi j'ai je suis adhérent de l'association qui fait des expos aux Causses Rivières, aux Causses Rivières, qu'est-ce que j'ai dit, aux Causses, de Savignac, les églises. Et là, j'ai une sculpture de 6 pierres, un cercle comme une trouvaille, un cercle de... Comme Stonehenge. Ouais. Et puis, j'ai fait une sorte de graffiti dans le terrain. C'est le power button, c'est le signe d'allumage de tous les objets numériques. Et j'ai freusé cela, c'est un cercle de 15 mètres, je l'ai freusé dans la terre pour faire remonter tout ce qui est caché dans la terre sous l'herbe pour voir comment la nature réagit quand on la détourne, qu'est-ce qu'il revient en plante. Ah ouais, ça c'est bizarre. Ça se voit du ciel. Très bonne image sur Google Earth, si on zoome. Sur l'ancien terrain militaire, on voit cette signe c'est bon réussi. Et nous avons l'idée de faire des choses pareilles ici, comme on a fait une exposition cette année ici dans les gorges avec les charbonnières, les anciennes endroits où ils brûlaient le charbon pour la forge à Savignac, et les charbonnières étaient en fait des socles naturels pour une vingtaine d'artistes qui ont exposé là une œuvre. Et dans le futur, on a plusieurs idées qui mûrent lentement et on revient. D'accord. J'exploite environ 5 hectares donc sur la commune de Saint-Mémen avec deux principales productions, le bovin viande d'une part et à côté de ça 4 hectares de verger golden AOP pommes du Limousin. Voilà, on est deux à travailler sur l'exploitation, moi chef d'exploitation, mon épouse salariée de l'exploitation et on fait appel à un salarié du groupement d'employeurs de temps en temps. Ouais. Voilà, en gros les productions. Et j'imagine qu'à la récolte des pommes, vous prenez quelques personnels. Voilà, à la récolte, l'éclaircissage, la taille, on fait appel à des saisonniers. D'accord. Donc, on essaye de faire appel à des gens locaux au maximum, mais c'est pas toujours évident. D'accord. Alors Frédéric, vous ? Agriculteur sur la commune de Saint-Mémen, sur une propriété qui a à peu près 90 hectares, en production bovin viande, naisseur, engraisseur. Ensuite en pommes on fait de la golden,
col des Naossés. Et voilà, pareil, mon épouse est salariée de l'exploitation pour l'instant et on a un projet de s'installer en GAEC tous les deux sur l'exploitation. Donc des situations finalement quelque peu similaires. Tout à fait. Apparemment, ouais, tout à fait. Même, sensiblement les mêmes. D'accord. Et alors, d'après ce que j'ai compris, vous êtes amené à acheter du matériel en commun. Alors expliquez-moi tout ça un petit peu là, soit l'un soit l'autre. Disons qu'il y a une CUMA qui a été créée en 1982 sur la commune de Saint-Mémen et qui aujourd'hui a encore en vie, on va dire. Et c'est grâce à cette CUMA-là qui a du matériel qui est quand même assez important et auquel on participe. Frédéric est secrétaire de cette CUMA, moi j'en suis le trésorier et un voisin qui a notre âge aussi, Patrice Méry, est le président. Donc, on essaye de la faire vivre en investissant un peu tous les ans sur du matériel qu'on ne pourrait pas acquérir seul, je crois, ou même en copropriété, puisque les CUMA bénéficient encore d'aides, soit européennes ou du conseil général, voire régional, tant que ça existe. Mais voilà, ce qui nous permet d'avoir du matériel compétent. D'accord. Alors par exemple, quel type de matériel ? Le dernier achat, c'est une machine pour mettre les céréales en boudin, soit... du grain sec ou du grain humide, du maïs humide ou des céréales sèches qu'on broie et qu'on stocke dans des gaines en plastique et qu'on reprend après pour donner à nos bêtes pendant l'hiver. C'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. C'est le petit boudin. Pour éviter le transport, on fait consommer sur place ce qu'on produit sur place. Voilà. Ah, ça c'est... Voilà. Oui, c'est bien. Enfin bien, c'est pas un jugement de valeur, mais je veux dire... On limite le transport par ce biais-là, c'est-à-dire que plutôt que de vendre les céréales à une coopérative et racheter de l'aliment, on valorise les céréales produites sur l'exploitation par le biais de cette machine. Elles sont reconsommées par les animaux et comme ça, il n'y a pas de transport, pas de coût, pas d'intermédiaire qui profite de la situation, voilà. C'est du direct. D'accord. Et on sait ce qu'on leur donne à manger par rapport à l'aliment... C'est la qualité de nos produits, voilà. D'accord. Alors ça fait longtemps que vous travaillez dans l'agriculture ? Moi j'ai tout le temps travaillé dans l'agriculture, et en plus sur la ferme ici à Lavaurie, je suis la quatrième génération à travailler les terres, quoi. Bien sûr que la ferme a évolué en s'agrandissant pour aujourd'hui arriver où elle en est, quoi. Chaque génération a apporté sa pierre à l'édifice pour essayer de suivre les évolutions et vivre avec son temps. D'accord. Disons que moi, j'ai la chance que les terres sont relativement groupées. D'accord. Autour de l'exploitation. D'accord. Et vous, monsieur ? Donc moi, j'ai été salarié. J'ai un autre cursus. Moi, j'ai été salarié pendant 10 ans. J'ai été salarié d'abord dans une entreprise arboricole, une grosse exploitation arboricole. Ensuite, j'ai été en concession de matériel agricole. On tourne toujours autour de l'agriculture. Et je me suis installé en 2001. Donc ça fait 15 ans maintenant. En agriculture, voilà. Agriculteur. Et après, au niveau du terrain, on a plusieurs points, c'est pas très regroupé, mais on essaie de s'organiser, que ça soit de limiter le travail au maximum. D'accord. Voilà. De tout bien rationaliser. Voilà. Pour. On essaie de calculer au mieux. Ouais, ouais. Et donc, c'est un truc de famille, l'agriculture, ou pas vraiment ? Oui, mais mon père a été agriculteur, mon frère est agriculteur, on a toujours été agriculteur. Dans la région ? En Corrèze, juste à côté, sur la commune de Juillac. Pas loin. Okay. Ils participent avec nous au niveau du matériel, en CUMA aussi. Nous, on fait partie aussi de la CUMA de Juillac, parce qu'on n'a pas tous les matériels sur la CUMA de Saint-Mémen. On a d'autres matériels qui est à la CUMA de Juillac, donc c'est pour ça qu'on côtoie beaucoup de monde, par le biais du groupement d'employeurs et de la CUMA. Donc vous avez une jambe en Dordogne, une jambe en Corrèze un peu. On a toujours été, oui. C'est normal, vous êtes à un kilomètre et quelques, c'est rien. Oui, ou limitrophe carrément. Limitrophe, d'accord. Il faut que les populations se renouvellent sur une commune. S'il y avait que les agriculteurs, on ne serait plus assez nombreux. Et il faut, les gens viennent rechercher le calme ici. Le calme avant tout pour leurs enfants. On a des écoles, on a tout pour les enfants et en plus le calme le week-end. Donc il y a des personnes qui font ce choix de vie, hein, de venir habiter à la campagne. D'accord. Vous êtes amené à les rencontrer ou ça reste... Ah oui, alors des fois, oui, on se côtoie en tant que voisin. Déjà quand on travaille, et puis ensuite au niveau des activités des enfants ou qui ont les mêmes activités que les nôtres, soit le rugby ou d'autres du théâtre. Voilà, donc on côtoie les gens pareil. On est très rugby ici, hein ? On l'est un peu, oui. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de Vaux-sous-la-Mer. Alors de quoi s'agit-il ?
Eh bien, le veau sous la mer, c'est un peu ce qui se faisait dans les années au tout début de l'élevage. C'est-à-dire que c'est la spécificité un peu de notre région. C'est les veaux qui ne sortent pas. Ils sont nourris uniquement au lait de leur mère et on les complémente soit avec ce qu'on appelle du lait reconstitué, de la poudre de lait, ou alors certains pratiquent avec ce qu'on appelle des tantes, ce sont des races à lait, style montbéliarde ou normande, et ces veaux-là sont complémentés par ces tantes-là. Donc on amène ces veaux jusqu'à, on va dire, 5 mois aujourd'hui, puisque les poids de carcasse ont évolué aussi. Et à partir de cet âge-là, de 5 mois, eh bien, ils sont abattus et c'est une viande qu'on essaye de produire le plus blanc possible parce que c'est sa spécificité. C'est une viande blanche et qui est quand même recherchée. Et disons que c'est un peu une niche de l'élevage, quoi, cette production qui demande, bon, bien sûr, des heures. C'est matin et soir à heure régulière, la TT, et week-end compris, et jours de fête aussi, bien sûr. On ne peut pas passer à côté. Et donc les qualités sont des qualités à la fois gustatives, de tendresse de la viande. Voilà, qualité gustative et une viande blanche très tendre, quoi. Et ouais. Recherchée. Et comment vous faites pour les vacances alors concrètement ? Et pour les vacances, tant qu'il y a les parents qui sont là, maintenant avec le groupement d'employeurs, sans doute on fera appel aux salariés qui viendra nous remplacer. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut s'habituer, les bêtes sont habituées à une personne, donc après c'est sûr que c'est pas facile, c'est contraignant. Ouais. Et alors Frédéric, vous avez le même genre de... Vous en faites du veau sous la mer ? Non, pas du tout. D'accord, vous en faites pas. On produit ce qu'on appelle des jeunes bovins, des taurillons, qui ont un an, c'est-à-dire qui têtent le lait de la mer jusqu'à 6-7 mois. Ensuite, ils sont sevrés avec les parents et ils sont engraissés avec des matières premières, des céréales qui sont produites sur la ferme. Et ils sont vendus aux alentours de 12-13 mois. Voilà. Donc, c'est pas de la viande blanche. Après, c'est de la viande rose, voire rouge. C'est du bœuf. Voilà. Alors, c'est beaucoup exporté. C'est pas comme Pascal le veau de lait, c'est pas une niche. Hein. C'est international. Hein. C'est vendu dans le monde entier. C'est de la viande, on va dire, plus courante. D'accord. D'accord. Bon, et alors maintenant, la question qui tue, comme dirait l'autre, comment vous voyez l'avenir de l'agriculture dans le coin ? Ensoleillé comme aujourd'hui. Ça serait bien. Comment la voir ? Sans doute comme ailleurs, je dirais. Ouais. Je dirais comme ailleurs, avec, je pense, moi, des structures qui vont toujours aller à l'agrandissement, encore, ouais. Et toujours. Peut-être sous forme de société, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Sans doute une évolution aussi environnementale, peut-être laisser les intrants de plus en plus. Même, on y a fait, on y fait encore. Ça veut dire quoi laisser les intrants ? Eh bien, tout ce qui est engrais chimiques, produits phytosanitaires. J'en parlerai surtout pas le mot pesticide parce que pour moi ça n'existe pas. Si on soigne les plantes ou on soigne les bêtes. Mais c'est pour leur aider à surmonter quelque chose, c'est pas pour, ouais. Ni surtout pas pour nuire ni à la bête ni aux humains qui vont consommer ce qu'on produit plus tard. Voilà, et alors sans doute aujourd'hui déjà on fait beaucoup d'efforts de ce côté-là, on en a fait énormément depuis 10 ans, aujourd'hui encore, avec des temps de réentrer dans des parcelles avec des antibiotiques, un délai avant l'abattage, avec le recyclage de tous les emballages de nos produits phytosanitaires, avec le recyclage aussi de tous nos plastiques, de tous nos sacs d'engrais. Tout ça, c'est une filière qui est en route et qui fonctionne bien. Et qui, je crois, il faut mettre l'accent là-dessus. Aujourd'hui, les agriculteurs font des efforts, malgré ce qu'on croit entendre et ce que les gens disent. Quoi. D'accord. On n'est pas que les pollueurs, on fait du bon travail pour l'environnement, il me semble. D'accord. On travaille qu'avec des cahiers des charges, ça il faut bien l'entendre. C'est-à-dire qu'en Limousine, en bovin, on est soit label rouge ou on a des labels pour tous les bovins. Et ensuite, les pommes, c'est de l'AOC. Donc on a un cahier des charges bien particulier, on est verger éco-responsable tous les deux, c'est-à-dire que c'est un cahier des charges au niveau des phytosanitaires, comme il disait Pascal, et où on est obligé de respecter, on ne fait pas ce qu'on veut, il y a une législation, donc on fait beaucoup d'efforts
et aujourd'hui peut-être pas assez récompensé justement. Parce qu'il faut savoir que tous nos produits, souvent, une fois qu'ils sont partis de chez nous, eh bien, ils ont des contrôles inopportuns, on n'est pas au courant. Et même quand, par exemple, notre pomme rentre en station, tous les 2-3 ans, on ne sait pas, on est tiré au sort, mais on a un lot qui part pour tester les résidus qu'on trouve sur les fruits, des produits phyto. Et ça, jusqu'à présent, au niveau de la coop Perlim, je crois que tout le monde est nettement en dessous la norme demandée. Ouais. Oui, c'est ce qu'on m'a dit à la Noaille aussi. Ils m'ont dit qu'ils font tellement d'efforts qu'ils sont même en dessous de... Oui, 10 fois en dessous la limite. Ouais, le cahier des charges, les cahiers des charges qu'on a est beaucoup, beaucoup plus contraignant que la législation. C'est-à-dire qu'on travaille avec des cahiers des charges qui sont demandés par des négociants, des revendeurs, et ces cahiers des charges-là n'ont rien à voir avec la législation. On est bien plus performant que la législation. Parce que le labo est en Hollande et que... Parce que le cahier des charges, lui, nous impose des choses. C'est-à-dire que l'acheteur, lui, impose des techniques culturales bien particulières que la législation, aujourd'hui, n'impose pas. Donc on va dire qu'aujourd'hui, on est plus performant que la législation normale française. Voilà, et européenne. Alors finalement, qu'est-ce qui est spécifique à Saint-Mémin par rapport à beaucoup d'autres petits villages ? Saint-Mémin a su rester quand même dans son jus, on va dire. C'est-à-dire qu'on a gardé cet aspect agricole, déjà. On n'est pas trop confronté à des zones habitées ou c'est pas périurbain. Voilà, on n'est pas à côté d'une grande agglomération. On a su conserver les bois qui existaient, comme on le voit en traversant la commune, les petits étangs. Hein. Ça serait dommage aujourd'hui de perdre ça. Je dirais que Saint-Mémin reste attaché à l'agriculture, on va dire, grâce au monde de paysans qui a encore une activité sur la commune. Et s'il y a un peu d'emploi, c'est grâce, au monde agricole. Et grâce aux activités, s'il y a encore des entreprises qui viennent travailler, c'est dû essentiellement à l'agriculture. Ben, moi je viens de la région parisienne, hein, je faisais le taxi à Paris, donc à la retraite je suis venu à Saint-Mémin, j'ai fait construire à Saint-Mémin, et quelques années après j'ai fait la connaissance de Auvézère Animation, c'est une association de Saint-Mémin, donc je suis rentré dans cette association, je suis resté pendant une bonne dizaine d'années jusqu'à mon élection au conseil municipal. Je faisais le secrétaire là-dedans, donc je me suis fait connaître des gens de Saint-Mémin par Auvézère Animation. Auvézère Animation font des animations justement dans le village, qui n'avait pas grand-chose. On a fait la journée des vieux métiers, on a fait des lotos, des genres comme ça. Donc ça a fait connaître, quoi, hein. Et donc, quand il y a eu les élections en 2008, comme j'étais connu, Guy Bouchaud est venu me chercher pour me demander si je voulais faire partie de l'équipe. C'est comme ça que je suis rentré à la municipalité. C'était pas mon intention parce que j'ai jamais fait de politique. Je me suis laissé faire. Et comme j'étais bien connu, j'ai eu pas mal de voix et j'ai été nommé troisième adjoint. Voilà, premier mandat, troisième adjoint. Depuis 2014, je suis passé, aux nouvelles élections, je suis passé premier adjoint. Voilà. Pourquoi vous aimez Saint-Mémin ? Mais dès mon départ, parce que Saint-Mémin, c'est accueillant. Les gens vous accueillent. D'abord, j'ai fait un petit recueil sur Saint-Mémin. J'en parle, je remercie les gens de Saint-Mémin de nous avoir accueillis de cette façon. C'est vrai que les gens à Saint-Mémin sont vraiment tous sympas. On est vraiment bien accueillis. Avant j'habitais dans la région parisienne, ça se passe pas du tout comme ça. Dans la région parisienne, je connaissais pas mes proches voisins. Alors qu'ici, vous passez devant une ferme, vous êtes obligé de rentrer, dire bonjour. Enfin, les gens qui sont dehors vous disent bonjour, ils vous font rentrer. Que ça n'existe pas dans la région parisienne. Donc Saint-Mémin m'a vraiment plu. Et je me suis vraiment accroché à Saint-Mémin. Je suis venu à Saint-Mémin parce que j'avais de la famille dans le village à côté, à Payzac. J'ai ma cousine qui habite à Payzac. Et c'est pas moi personnellement, mais mon frère venait assez souvent passer ses vacances ici. Et un jour,
au moment de la retraite, mon frère avait un an de moins que moi, hein. Au moment de la retraite, il voulait acheter quelque chose, mais bon, il avait trouvé, il me dit, ça t'intéresse pas, c'est trop grand pour moi, on pourrait l'acheter tous les deux. On est venu voir, je connaissais pas sa maman, mais Paysac à côté, donc on est venu voir, ça nous a plu, on a acheté le terrain. Donc mon frère a acheté à côté, et moi c'était le même terrain qu'on a divisé en deux. C'est comme ça que je suis venu à Saint-Mémin. Et donc, de fait, votre frère habite à côté ? Moi, il est décédé depuis, mon frère. Pardon. Mais d'accord. Il a fait construire, comme moi, en même temps. Et on avait chacun notre pavillon. Au départ, on n'était pas encore à la retraite, pas loin, mais on a fait construire le petit chalet. De chaque côté, il y a un petit chalet, le même. Oui. Et on venait toutes nos vacances, à chaque fois qu'on pouvait. On était assez disponibles. Je faisais le taxi en tant qu'artisan, mon frère aussi. Et en tant qu'artisan, on est assez disponible. En banlieue, on n'est pas limité par les heures. Donc, les taxis parisiens sont limités, ils font 10 heures d'affilée. Tandis que en banlieue, on travaille quand on veut, le jour ou la nuit. Donc, ça me permettait d'avoir des journées. On venait assez souvent ici. C'est comme ça que... Voilà. Et ensuite, au moment de la retraite, on a fait construire. Alors, attendez. Donc, votre cousine... qui habite Paysac et qui vous a fait connaître le Périgord, elle a des attaches par ici ? Ah oui, ses parents étaient de Paysac, elle a de sa famille qui ont été maires de Paysac, monsieur Escaravage, les gens doivent connaître encore, donc vous avez des racines dans le secteur ? Oui. Oui, en passant par le biais des cousins, des cousines, oui, effectivement. Hein. D'accord. Alors l'AIS, de quoi s'agit-il ? Alors AIS, c'est une association qu'on a créée quand on est arrivé en 2008. Il y avait, à part Ouvez Animation qui faisait quelques animations, il n'y avait rien à Saint-Mémin. Et ça a permis à la mairie de faire des animations. Vous voyez, on a fait les marchés de nuit, tout ça c'est AIS qui s'en occupe. Et c'est une association, ce ne sont que des bénévoles, en principe constitué par tout le conseil municipal, tout le conseil en fait partie, et ça sert, parce qu'on fait des bénéfices, quand on fait des manifestations, il y a toujours des bénéfices, il y a les buvettes, tout ça, tout cet argent, excusez-moi, tout cet argent qui rentre dans la commune, ça ne rentre pas dans les poches des gars, c'est uniquement... Ça sert pour les enfants, pour les Noël des enfants. On participe au repas des anciens. On fait pas mal de choses dans la commune. Et toutes nos manifestations, la commune, on ne touche pas au budget de la commune. Tout est pris par AIS. Donc il y a des cotisations. Il n'y a pas de cotisations. L'argent ne vient que par les animations. D'accord, les entrées au spectacle, les ventes de hot dog. Voilà, les buvettes, voilà. D'accord. Alors parlez-moi des points clés donc, de l'activité de l'AIS. Donc vous m'avez parlé. Alors reprenez la liste. Alors il y a surtout les marchés de nuit qu'on fait chaque année maintenant. Les premières années on en faisait 4. Maintenant on est descendu à 3 parce que, bon, on fait autant de recettes parce que. Mais alors, à Saint-Mémin, actuellement, on est 310 habitants. Quand on fait les marchés de nuit, il y a plus de 1000 personnes. Ça amène beaucoup de monde. Donc, c'est fait un petit peu. Ce qu'on fait à AIS, c'est pour attirer les touristes chez nous. Dans les marchés de nuit, on fait des soirées loto, des soirées châtaigne, des soirées. Tout ça, c'est organisé par AIS. On fait des lotos aussi, des brocantes. On fait des randonnées, beaucoup de choses. Et alors je vois que l'acronyme AIS veut dire Amical Info Solidarité. Voilà. Solidarité, qu'est-ce que vous entendez par là ? Qu'est-ce que vous menez comme action de solidarité ? Solidarité, on aide aussi les gens en difficulté. Quelqu'un qui est en difficulté, s'il passe par la mairie, on fait quelque chose. Ça sera pris dans la caisse de AIS. Hein ? Alors, pareil, AIS ne touche pas de subvention de la mairie, puisque c'est nous qui en reversons plutôt à la mairie. On ne lui en verse pas. Mais enfin, on paye. Dernièrement, on a fait les escaliers qui sont à l'église. Il y avait des escaliers qui n'avaient pas de rambarde. C'est AIS qui a payé. On fait des petites bricoles comme ça,
que la commune ne paye pas, puisque c'est... Le problème, c'est la difficulté de trouver des bénévoles de plus en plus. Dans toutes les associations, le bénévolat, ça dure un moment, mais après, les gens se lassent un peu aussi. Alors, bon, à Saint-Mémin, faut pas encore trop qu'on se plaigne, parce que c'est renouvelé. Il y a souvent des nouveaux arrivants, des trucs qui sont enchantés par ce qu'ils voient, qui nous aident, qui tout ça. Donc, on n'a pas un problème majeur. Et il y a des commerçants ambulants ? Oui, il y a un boucher, il y a des boulangers, il y en a plusieurs. Il y a 3 boulangers qui passent dans la commune, donc il y a des jours différents. Il y a un épicier aussi qui passe de temps en temps. Je ne sais pas ces jours, mais enfin, il y a un épicier qui passe. Qu'est-ce qui plaît quand même à tous ces étrangers qui sont venus s'installer ? Mais en premier, ce sont les gorges, bien sûr. Les gorges, ça plaît à tout le monde. Puis le calme, la forêt, la rivière, ça plaît énormément. On le voit, sur les communes à côté, ils font la même chose que nous pour nos manifestations, les marchés de nuit. Il y en a dans les communes à côté, comme à Paysac et tout ça, ça ne marche pas. À Saint-Mémin, dès qu'on fait quelque chose, il y a un monde fou. Alors, c'est le cadre, c'est... Ici, c'est merveilleux, ici. Mais ce qui est dommage, c'est que les gens d'ici s'en aperçoivent même pas que c'est joli. C'est normal, c'est comme les Parisiens qui sont jamais montés à la Tour Eiffel. C'est vrai, ouais. Ouais. Mais les touristes, eux, ils savent le voir, le goûter. Voilà. Oui, mais je vous dis, quand je parlais de l'office de touriste tout à l'heure, en 2008, à l'office de touriste, il y avait des gens qui ne connaissaient pas Saint-Mémin. Si on ne leur explique pas qu'il y a quelque chose de beau à voir, ils ne viendront pas. Donc maintenant, c'est parti sur une nouvelle base. Bon, il n'y a pas de problème. Ils envoient tout le monde à Saint-Mémin. Ils savent que c'est joli. C'est vrai qu'il y a des endroits, c'est formidable ici. Et il y aurait encore à acheter pour un... Il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus beaucoup de terrain disponible. Hein. Là, c'est... Ou de maisons à reconstruire ou... non. Pratiquement tout a été acheté. Ah bon, donc vous êtes au taquet de votre population, alors. Il y a que si on arrive à avoir des nouveaux lotissements, enfin pas des lotissements, parce qu'on ne veut pas de lotissements ici, on veut conserver la nature telle qu'elle est. Hein. Mais on est sur un nouveau pays à l'huile qu'on doit faire avec Cossé-Rivière. On espère bien qu'on aura des endroits qu'on va pouvoir rajouter quelques pavillons, quelques... Parce que c'est vrai qu'il y a de beaux endroits. Vous avez les Auges là-haut, la colline des Auges, la chapelle des Auges. Il y a une table d'orientation. Il y a un château d'eau qui était vilain comme tout, qui dénaturait l'endroit. On l'a fait repeindre avec la communauté de communes. On a fait faire une fresque dessus, c'est merveilleux. Les gens viennent pour voir le château d'eau maintenant, alors qu'avant ça les rebutait. On a ça, on a... Alors la rivière, l'Auvézère, c'est magnifique dans les gorges, avec le saut ruban, c'est une cascade, c'est formidable là-bas. On a ça, on a Gaboura, c'est un petit coin au bord de la rivière, tranquille, qu'il faut descendre. Vous pouvez y aller que à pied ou vraiment à un 4x4, mais quand vous êtes là-bas, il y avait une grande étendue de verdure autour. C'est formidable, une petite passerelle pour passer sur l'Auvézère. Il y a des choses formidables. Ça appartenait au château de Bolsy, oui, ce terrain-là. On l'a dit aussi, oui. Et puis, bon, le baron de l'époque, il avait été maire pendant quelques années, je crois. Pas longtemps, mais enfin quelques années. Et ils ont donné le terrain gratuitement pour la construction. Et alors, l'école, donc, s'est faite ici. Elle a commencé je suis né en 27. C'était 34-35, hein. Il y avait 64 élèves, voilà. 64 élèves à Saint-Mémin. Oui, et une maîtresse qui était à quelques années de la retraite. D'accord. Il n'y avait qu'une classe, oui, c'était une classe unique. On était là depuis, on commençait à venir à l'école à 5 ans. 6 ans. 5-6 ans, et puis jusqu'à 14 ans. Voilà. Et comment ça se passait entre les élèves pour la transmission du savoir? Vous m'expliquiez ça tout à l'heure. Oui, mais je vous ai expliqué que c'était les plus grands qui apprenaient les petits à lire.
Et on se mettait sur des tables à part, et puis, bon, il y avait la maîtresse, là, ceux qui étaient les aînés, qui apprenaient aux petits. Mais ce n'était pas toujours facile, parce qu'on n'était pas toujours décidé à lire, hein, quand on était petit. Et vous, monsieur, donc vous avez fait votre scolarité à Savignac-Lédrier, mais oui. Et plus tard, mais enfin, c'était pareil, il y avait beaucoup d'élèves, et c'était une classe unique. Une classe unique, oui. Ma dernière année de scolarité, moi, qui devait être en 57, voilà. Et c'était une classe unique, on était une quarantaine. On devait emprunter le chemin de la Gravade, tu connais ? Oui, c'est celle qui descend. Et mes parents trouvaient que l'hiver, c'était dangereux, ce chemin-là. C'est vrai. Quand il y avait de la glace, oui. C'était une glacière, tu t'aurais glissé depuis en bas. Hein. Voilà. Alors, ils nous ont envoyés à l'école à Savignac, et puis on a fait toute notre scolarité à Savignac. Et puis, oui, mais enfin, vous, plutôt, vous allez à Savignac. Sauf les robinets. Oui, les robinets qui venaient à Savignac. Voilà. Oui, c'est vrai. On était... Ils passaient par la Gravade, alors. Ah oui. Et il n'y a jamais eu de problème. Ta mère m'a raconté qu'elle allait à Saint-Mémin par la Gravade. Qui ça ? Ta mère. Ah oui. Ah, puis je peux te dire qu'elle ne mettait pas longtemps. Quand j'étais jeune, passais par la Gravade. Ah oui. Elle, je me souviens de ma mère. On part de Vaux-Pétorie, on descend en bas au pont, mais à travers les rochers. Hein. Voilà. Ah ouais. Moi, ma mère, je peux te dire, parce qu'elle marchait très bien, eh bien, elle partait en courant de la maison. Parce qu'il y avait un enterrement à Saint-Mémin, par exemple, elle allait à Saint-Mémin pour les enterrements. Et bien quand elle allait là-bas, elle partait en courant et puis ça allait jusque... voilà. Jusqu'au pont. Ah oui. Après, elle devait moins courir en montant. En montant ? Oui, mais ça courait. Oh là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas du tout de transport scolaire. Ah non. Donc ? On y allait à pied. À pied. Voilà. Et alors, ce qu'il y avait de marrant, c'est que pour faire le chemin de chez moi à l'école, 2 km. Et le matin, on mettait une demi-heure. Oui. Et le soir, dans le sens inverse, on mettait une heure et demie. Oui. Et bien sûr. Et puis, en allant à l'école, ça descendait d'abord. Et en revenant, ça montait. Oh, dis donc. Alors, je peux te dire qu'on se faisait avoiner après quand on revenait. Et, ouais. Et puis, vous discutiez entre copains. Ah oui, on discutait. Se battait. Ah oui, on se battait. On s'en passait, c'est plus. Et puis, c'est qu'à l'école, il y avait des chefs. Hein. À la récréation, il y en a, c'était les chefs. Alors, il fallait que tout le monde obéisse. Ah oui. Dans les jeux, dans tout ça. Et est-ce que ces chefs sont devenus maires? Non. C'est vous qui êtes devenu maire. Non, moi, je n'étais pas chef à l'école. J'étais soumis. Ah oui, mais on se battait. Comme quoi tout est possible. Tout est possible, oui, bien sûr. Oh, ouais. Mais moi, j'avais... C'est vrai. Moi, dans le village, mon meilleur copain... Alors, pendant 15 jours, on était copains comme la renfoire, c'était impeccable. Et puis un soir, pourquoi ? Pour rien du tout. On y allait, mais ça y allait, hein. On est comme des chiffonniers. Et puis le lendemain soir, on était copains encore. Et là, on est de grands copains depuis, mais voilà. Mais on se battait, hein. Oh là. Alors vous êtes arrivé maire en quelle année, monsieur ? Moi, je suis en 80... Attendez, 89, oui. Maire, vous parlez de maire ? Oui, maire. En 89. 89. De 89 à ? De 89 à 88. Ça fait 12. Oui. Non, pas 12. Ça fait 19 ans. Non. Mais moi, je suis resté 55 ans à la mairie. Je suis allé à la mairie comme secrétaire en 1953. Hein, et j'ai arrêté en 88. 2008. Non, mais je veux dire le secrétariat. Ah oui. L'évolution des choses, il y a eu une chute de la population, puis maintenant ça remonte. Alors, attendez, moi quand je suis arrivé à la mairie en 53, il y avait 704 habitants. Et quand je suis parti, il y en avait 200, il y en a un peu plus, je crois, maintenant, 300 et quelques. Ça remonte un petit peu. Oui, mais il y en avait 285. Voilà. Vous voyez la différence entre mon arrivée et mon départ. Et là, ça remonte. Oui, mais ça remonte, ça rebaisse. La population est beau, parce qu'avant la population était fixée à Saint-Mémin. C'était des familles d'agriculteurs.
Oui. Tout le monde avait son travail. Il fallait beaucoup de main-d'œuvre. Oui. Il fallait de la main-d'œuvre, il fallait des bras en agriculture. Mais lorsque la mécanisation, c'est à partir du moment où la mécanisation s'est introduite dans l'agriculture que la population a régressé. Ouais. Voilà. Ouais. Sans parler de la fuite des jeunes vers la ville pour trouver du travail. Forcément, non, mais du moment que l'agriculture avait moins besoin de bras, les jeunes sont partis. Oui. Hein? Oui, 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 oui. Alors avant, des fois, ils partaient faire des saisons. Hein? Les jeunes, tu sais, ils partaient travailler dans les fermes, comme on disait. Oui. C'était dans les Deux-Sèvres ou dans la Vienne. Ou le Loiret. Ils allaient pendant la période d'été, et ils allaient là-bas. Et... Ah ben, c'était pas compliqué. Ils commençaient au mois de, peut-être, mars. Oui. C'était le démarrage des betteraves. Oui. Ah ben oui. Qu'est-ce que ça veut dire, le démarrage des betteraves? Eh ben, les betteraves sont semées, et puis, parce que là, maintenant, ils sèment avec des monogermes. C'est-à-dire que chaque graine donne une plantule. Oui. Tandis qu'à cette époque, c'était un semis en rang et les betteraves se touchaient toutes. Il fallait les éclaircir. C'est voilà. Éclaircir, mais c'était le démarriage. Limiter le nombre de plantes. Alors ils étaient là pour que chaque plant puisse se développer. Voilà. À une distance comme ça. Oui. Et c'était très dur, paraît-il. Hein. Très, très dur. Ils avaient un petit outil avec un manche comme ça, une petite houe. Ils étaient toujours courbés toute la journée. Il fallait ça. C'était incroyable. Ils coupaient. Alors ils faisaient ça. Après, ils devaient faire les moissons. Les moissons, oui. Après, l'ébattage. Oui. Après, la récolte des betteraves à sucre. Oui. Oui. Et voilà. Et après, ils revenaient. Et après, certains travaillaient dans les tuileries l'hiver. Oui. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup qui soient restés quand même. Ah, mais ils restaient, non, mais oui. Ils travaillaient dans les tuileries. Oui, mais enfin, je veux dire que... Ah, mais ils ne sont pas restés... Le plus courant, c'était la période d'été, quoi. Oui, 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 oui. Ouais. Alors, il y avait des vignes ici? À Saint-Mémin, je crois qu'il y a eu... je ne sais pas si le chiffre est... Je ne sais pas s'il n'y avait pas eu jusqu'à 14 hectares de vignes. C'est même parce que moi, quand j'étais secrétaire de mairie, j'avais eu l'occasion de faire les recensements. Et puis, je crois qu'il y en avait en tout, parce que chacun avait son petit bout de vigne. Hein. 5 arts, 10 arts, 15 arts. Mais oui, monsieur. Ça doit être de là que Jean Ferrat a écrit, c'était une affreuse piquette. Oui, mais c'était, l'ensemble, c'était pas... Non, c'était des vins qui faisaient 8 degrés. Qu'il fallait voir assez rapidement, parce que quand arrivé le mois de février, comme on disait, il tournait. Ça devenait du vinaigre, quoi. Malgré toute sa qualité. Malgré le cépage de noix dedans. Hein. Eh bien, il y avait du noix, beaucoup. Et de l'Othello aussi. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Le noix qu'on dit que ça rendait fou. Oh, il paraît. C'est devenu des plantes prohibées. Par la suite. Et alors, monsieur, est-ce que vous avez connu, ou vous, monsieur, est-ce que vous avez connu des commerces à Saint-Mémin? Ah oui, à Saint-Mémin, il y avait à une époque trois cafés, hein, trois cafés dont deux qui donnaient à manger, et puis, au point de vue, il y avait deux sabotiers. Mais c'était bien tout. Hein. Il n'y a jamais eu de boulanger ou d'épicier? Non, jamais de boulanger ni d'épicier. Ah, épicerie, si, il faisait épicerie. Oui, là, enfin, chez Dauvergne, oui. il faisait un peu il de... Il y avait un peu d'épicerie. Hein, accessoirement. Hein? Un coiffeur, en face de la mairie. Ah ben oui, il y avait... Ce n'était pas un coiffeur déclaré, ça. Il était déclaré, je ne sais pas. Non, mais il était facteur, lui. Il était facteur. Oui. Comment? Il y avait une enseigne coiffeur. Ouais, mais à l'époque... Oui, tu mettais n'importe quoi. il était... On pouvait mettre une enseigne, c'était pas dangereux. Il était facteur, lui. Mais lui, il était facteur de son état. Et voilà. Puis, accessoirement, il avait fait le coiffeur lorsqu'il était plus jeune. Et puis, il faisait la coupe de cheveux. Il fallait peut-être pas avoir peur pour se faire couper les cheveux le soir. Hein. Oh non, moi, il m'avait coupé les cheveux plus d'une fois. Ah, mais attends, oui.
Et vous aviez beaucoup de gens à la campagne qui faisaient plusieurs trucs comme ça. Oui. On se dépannait, on faisait comme on pouvait. C'était pas... Moi, quand j'allais à l'école, le cantonnier de Savignac-Lédrier, Soustre. Ah ben oui, Soustre, oui. Il était cantonnier, lui. Et le soir, il se trouvait toujours sur le trajet des élèves à la sortie de l'école. Oui. Et il y avait toujours un ou deux élèves qui lui demandaient de couper les cheveux. Alors, il nous asseyait sur le siège de sa moto, il avait la tondeuse et le peigne dans la sacoche, il coupait les cheveux, c'était 50 centimes, voilà. Mais rends-toi compte, un franc, il gagnait un franc le soir après, en faisant son boulot de cantonnier. Eh oui, c'était comme ça, oui. Bon, alors donc tout à l'heure on parlait de l'école, hein. Donc tous les enfants venaient de tous les coins de la commune. Ah non, pas tous les... Il y avait une école au bourg de Saint-Mémen et il y avait l'école de la Vorée. Parce qu'à Saint-Mémen, au bourg, il y a toujours eu une école. Voilà. D'accord. Mais les gens ici, ils venaient d'assez loin. Ils venaient de la Rouille, là, c'est quand même... Et nous étions 64. D'accord. Et l'école, elle est devenue quoi, le bâtiment, maintenant? Alors, le bâtiment, c'est l'instituteur qui, lorsque l'école a fermé, il est resté locataire des lieux, et puis après, la commune lui a vendu l'ensemble des bâtiments. D'accord. Voilà. D'accord. Alors donc, il y en avait 64, puis 60, puis 50, puis 40... Vous avez fermé à combien ? Moi, je suis né donc en 1927. Disons que vers 1934-1935, il y avait 64 élèves dans cette école. Et avec une classe unique et une seule maîtresse qui était à quelques années de la retraite. D'accord. Et à combien d'élèves on a fermé ? Alors, on a fermé, les effectifs qui étaient prévus étaient de 7, je crois. 7 ou 8. Voilà. Et ça, l'année, Malabou l'a dit. Oui, 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 mais c'était 59. Oui, enfin. Ouais. Dans les années 60. Non, non, mais c'était... Non. Attendez, non, je fais le calcul, là. 59 et 17, ça fait combien ? 76. Hein ? Eh bien, c'est pas là, c'est... D'accord. Vous, monsieur, qu'est-ce que vous pensez que vous avez réalisé pendant votre mandature de maire, ou vos mandatures de maire ? Qu'est-ce que vous avez réalisé de plus important ? Ben, on a fait des... On a travaillé beaucoup sur la voirie. On a fait des ouvertures de chemin, on a fait... c'est vrai que la voirie, ça a été la grosse question. Parce que la voirie, elle n'était pas dans un très bon état. Mais non, elle n'était pas en mauvais état, mais disons que c'était surtout les chemins de terre, les chemins qui n'étaient pas en état. Il a fallu faire des ouvertures de chemins, on a énormément travaillé sur les chemins. Je comprends. Et puis le bitumage des routes, c'était pas fait partout. Hein. Les voies communales. Il y avait des voies qui n'étaient pas encore... Et au niveau de l'eau, il y a eu des travaux aussi ? Alors, au niveau de l'eau, c'était... attendez, que je réfléchisse. Moi, je suis venu en 70, là, et on avait juste l'eau dans mon secteur, hein, ici. On a eu juste l'eau dans les années 70-72. Nous, chez moi, à vos petits... Attendez, monsieur, attendez. Ah, oui. Attendez, je suis pas prêt. Ah, oui. Attendez, je suis pas prêt. Allez-y, monsieur, oui. Chez nous, à vos pétouries, c'était en 68, l'adduction d'eau. Voilà. D'accord. 68. Ah, mais c'est vrai qu'on n'a jamais été précoce en rien. L'électricité, 1954. L'électricité, oui. 1954, oui. 1955, même à la côte. Parce que au niveau de l'électricité, il faut que je vous dise. Quand la guerre s'est déclarée, il y avait la cité de Clairville, qui était dirigée par la Fédération des blessés du poumon.
La cité lui appartenait d'ailleurs. À l'époque, le maire de Saint-Mémène, qui s'appelait Choprade, et le directeur de l'établissement, ils étaient amis, politiquement aussi, et le maire, la cité de Clairville avait une centrale thermique. Elle faisait son électricité. Et elle avait dit au maire, moi je te ferai l'électrification de la commune. À l'époque c'était comme ça. Bon, il a tenu ses promesses, mais très légèrement, de telle sorte qu'il n'y a eu que le bourg qui a été électrifié. Bon, la guerre est arrivée, et donc ça a changé beaucoup de choses, tout ça. Et puis, à l'époque, donc, du fait que le maire de Saint-Mémin avait la promesse du directeur de l'établissement, il y avait un syndicat qui s'était créé juste avant la guerre. La commune n'a pas voulu adhérer à ce syndicat. Donc, la guerre étant là, bon, tout a été stoppé. Et lorsque la guerre a été finie, bien sûr, le directeur n'a pas tenu ses promesses. Il a fallu donc se retourner vers le syndicat qui a dit à la commune de Saint-Mémen, on veut bien vous prendre, mais sachez une chose, que vous serez servis les derniers. Et c'est ce qui est arrivé. Total, on a la fin de l'électrification sur la commune de Saint-Mémen s'est faite en 1955. La fin. Voilà. La commune fait 3000 hectares. C'est quand même grand. Hein. Et c'est vrai que les chemins, je ne sais pas, de voirie communale, il y en a 33 ou 34 kilomètres, peut-être 35, je ne sais pas maintenant, parce qu'il y a des chemins ruraux qui sont devenus voies communales, mais il y a au moins 35 kilomètres de voirie communale en tant que telle. Mais des chemins ruraux, des chemins, ce qu'on appelle les chemins de terre, je pense qu'il y en a autant. Oui. Hein? Alors tout ça, quand moi j'ai pris le... Il y en avait, ben, on en avait fait du temps, parce que mon prédécesseur, lui, il était resté maire, il était resté maire de 59, et bien quand j'ai pris, moi, en 88, hein, il en avait fait déjà. Mais quand moi je suis arrivé à la commune, à la voirie, il y avait un tracteur. Et un tracteur qui faisait, je sais pas... 20 chevaux. Hein? 20 chevaux. 20 chevaux, oui. Oui. Et tu te rappelles, il y avait une remorque. Hein? Il y avait une remorque avec... qui était une remorque pas faite pour le tracteur. C'était une remorque à cheval. À cheval, ou... Hein? Alors, il n'y avait pratiquement pas d'équipement. Ah ben non. Il a fallu tout équiper en matériel de voirie et construire des bâtiments. Parce que le bâtiment qui est à côté de la mairie, là, oui, en position où on fait le garage, quoi, du bourg, c'est mon équipe qui l'a construit. Et celui qui est dans le pré là-bas aussi. Oui, parce que ces bâtiments n'existaient pas. Non. Et vous, est-ce que vous voyez encore est-ce qu'il y a encore des anciens de votre conseil municipal que vous voyez encore un peu Ah ben oui, il y en a encore. Il en existe, mais il n'y en a plus que deux, je pense. Rousseau et Robert Pichon. Et Pichon. Donc des fois, vous évoquez les années... Mais oui, bien sûr, parce que... Moi, je les connaissais tellement, tous, puisque je suis resté 55 ans à la mairie. Ouais, ouais. Alors voilà. Alors donc, vous étiez secrétaire, donc vous étiez plutôt bon en français, tout ça. Ah ben, j'ai jamais été bon nulle part, mais... j'ai essayé de m'en sortir, quoi. Parce que pour être secrétaire, il faut quand même taper à la machine ou prendre des notes. Ah oui, mais je tapais à la machine, oui, bien sûr, mais... Et de toute façon, parce que je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais parce que moi j'assistais aux réunions, parce que
à l'époque, les comptes rendus de séance, comme on le dit, il y en a un qui est secrétaire de séance, mais qui fait son travail ou ne le fait pas. Je suppose que c'est toujours pareil. C'est pour la forme qu'on désigne un secrétaire. Mais moi, j'avais toujours assisté parce que les maires, il y en a qui étaient plus ou moins... Bon, alors, c'est moi qui fais les rédactions des comptes rendus du conseil municipal. C'est moi qui les ai faites pendant 55 ans. Ouais. Et alors, puisque vous parliez de la guerre, donc vous êtes en 27, donc en 40, vous aviez 13 ans, donc vous avez quand même des bons souvenirs, si j'ose dire. Enfin bon, pas bon, mais des souvenirs assez précis de l'époque de la guerre. Bon, là, on ne devait pas être très très ennuyé. Il ne devait pas y avoir... c'est pas comme à Terrasson, où il y a la division d'Astrage qui est passée, tout ça. Je veux dire, Saint-Mémin, ça devait être quand même relativement, entre guillemets, tranquille pendant la guerre. Ouais. Alors dites-le-moi, expliquez-moi non, ça. Non, mais là, c'est vrai, pendant la guerre, bien sûr, mais enfin, on n'a jamais eu de problème, si vous voulez, sérieux. Et alors, quand la guerre était finie, moi, j'avais travaillé chez mes parents qui étaient agriculteurs, et alors j'ai appris le métier du travail du bois. J'ai travaillé dans le bois pendant quelques années. D'accord. C'est-à-dire Et après, même quand j'étais secrétaire de mairie, accessoirement, j'exerçais cette profession aussi. Hop. D'accord. Et... On était plus courageux que maintenant. La pavillon de M. Lasternas, c'était dans le Cantou qu'on est en train de rénover actuellement. D'accord. Qu'on va filmer... Il a fait son atelier pendant un bon moment. D'accord. Comment ? Votre atelier était dans le Cantou pendant un bon moment. Ah oui, je m'étais installé là-bas. Oh, mais... oui, je ne faisais pas des chantiers... Mais enfin bon, j'aimais le travail du bois, ça faisait partie de mes activités, quoi. Et pendant la guerre, il n'y a pas eu comme chez nous à Cubjac, parce que moi j'habite à Cubjac. Il y a eu à un moment donné un maire qui a été désigné par Vichy pendant trois ans. Ah mais là aussi. Oui, d'accord. Okay. Là aussi, alors c'était... La Seigne. C'est ce qu'on appelait les délégations spéciales. Voilà. Bon, alors, c'était la Seigne, et comme assesseur, il avait le père Bourbon, le père à Bourbon, et puis il y en avait un autre, je ne sais plus. Ils étaient trois ou quatre, qui étaient désignés comme ça pour... Mais la Seigne, là, qui était maire, qui habitait à Volcoto, il s'en était très bien sorti de... C'est vrai? Ah oui, pareil, oui. C'était un homme sage, c'était un homme... il s'en était très très bien sorti. Oui, parce que ça devait être... Non, mais c'était une période délicate. Hein. Il fallait avoir le doigté, il fallait avoir... Mais lui, c'était un homme sérieux. Bon, alors il fallait qu'il compose. Bien sûr. Vous savez bien, parce que on a taxé certains gens de collaborateurs, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Ils n'étaient pas du tout, ces gens-là. Oui. Mais il fallait qu'il compose. Et c'était pas... Mais lui, s'en était... moi je trouve que ça en était bien sorti, parce qu'il n'avait jamais eu d'inconvénient avec les gens d'ici, et c'était quand même difficile. D'accord. Quand je suis arrivé à Saint-Mémin, il y avait un petit tracteur, et j'avais une pelle, une pioche, une faux. Ouais, c'est tout. Voilà. Et puis un petit tracteur et une petite remorque, et la barre de coupe. La petite barre de coupe à doigt qu'on appelle là, avec une lame. La remorque qui... Une remorque, on mettait dedans 200-300 kilos. Oui. Et si on avait mis 350 kilos de plus, les pneus étaient morts. Avec un mètre cube de sable, c'était trop chargé. Oui. Ouais. C'est tout ce qu'il y avait. Et alors, après, petit à petit, la commune a acquis du matériel. Ah oui, oui, ça, il y a eu l'acquisition d'un tracteur, l'acquisition d'une épareuse. Une super épareuse, entre parenthèses, parce que c'était... c'est vrai que... Moi, j'ai l'inconvénient d'être petit. Alors, dans ce tracteur, le maire avait loué une épareuse à Serge Deveau pour que je... Pour que je nettoie les accotements. Mais moi, assis, je ne pouvais pas voir le fonctionnement. Alors, j'étais debout dans le tracteur... Et puis un jour, il me suivait, il me dit, mais quand on achètera une épareuse, il faudra qu'on fasse autre chose que ça, parce que ça ne va pas.
Vous allez me dire ce que c'est une épareuse, parce que j'ai pas compris. C'est pour faire les bas-côtés ? Ah ben c'est pour faucher les accotements et les bas-côtés, quoi. Les talus, tout ça. C'est quelque chose de bon. Et alors, c'était une machine très bien, parce qu'elle travaillait sur le côté, et j'avais pas besoin de me retourner pour voir le travail derrière. Voilà, c'était quelque chose. C'est toujours le même système, d'ailleurs. Oui. Vous l'avez changé, l'épareuse, oui. Oui, ils l'ont changé. Oui, c'est plus la même. Non. Oui. Mais enfin, voilà. Et donc, ça s'installe sur un tracteur ? Oui. Oui, mais ça s'appelle une épareuse. Mais communément, on dit la débroussailleuse. Oui. Mais c'est ce qui tourne d'accord. Là. D'accord. C'est ce qui coupe la grosse végétation, d'accord. Quoi, voilà. En quelque l'herbe. Sorte. Tout. Donc, voilà. Ça coupe. Oui, voilà. Mais... Alors, ça, après, évidemment, il y a eu l'achat d'une remorque Ben, d'un godet sur le tracteur. Qui permettait de faire des petits terrassements. Oh non, mais ça c'est bien, bien arrangé. Et puis après, comme partout, il y a eu l'achat d'une débroussailleuse à dos pour faucher. C'était autre chose qu'une faux. Voilà. C'est... Ah non, mais là, après, c'est... Mais c'est vrai qu'il y en avait besoin. Hein, parce que... Parce que... J'ai quand même réhabilité tous les chemins de randonnée de la commune. Parce que lui, attention, il en a coupé des... Comme on dit, de la merde, hein, ah, on a coupé. Et alors, tous les chemins ont été... Tous les chemins de randonnée, il n'y avait pas de chemin de randonnée. Aucun. Quand je suis arrivé... C'est lui qui a tout fait. J'ai tout mis en... Enfin, j'ai tout mis. C'était mon travail. Mais j'ai tout mis en œuvre, quand même. Aïe. Et alors donc, ils sont rafraîchis par les cantonniers d'aujourd'hui. J'espère. J'espère. J'espère, parce que, oui. À une époque, il devait être entretenu par une association de... C'est déjà plus la même chose, parce que maintenant, qui c'est qui s'en occupe, la communauté de communes, non ? Non, c'est toujours ces mêmes. Oui, c'est toujours chaque... Oui, mais attendez, il n'y en a pas une partie qui est entretenue par... Avant, c'était le syndicat. Ils ne doivent même pas le faire. Non, c'est toujours... Plus maintenant ? De sa même main qu'il fait, il y a juste les panneaux qui sont faits par la communauté de communes. Le panneautage est fait par la communauté de communes. Oui, mais avant, c'était le syndicat, comment ça s'appelait ? Ah, ils ont baisé. Oui. Non, mais c'est fini, ça. Ils font plus d'entretien. Il n'y en a plus de syndicat Ilovezea. Oui, il y a plus. Oui, mais ça pourrait être la communauté de communes. Non. Chaque commune a gardé... Chaque commune... Ouais. Alors, on va revenir sur... Quand vous étiez jeune, mettons... Donc vous êtes de 43, 53, 63, 63, vous aviez 20 ans. Pour aller danser, on allait danser où quand on avait 20 ans, 63 ? Ah ben il y avait des petits bals un peu partout, enfin des bals, comment dire ? Il y en avait. Le bal ambulant, quoi, c'était les dancing, ils appelaient. Ouais. Ils montaient ça dans les petits bourgs, là, partout. Ah, mais puis, tout de suite après la guerre. Ah, mais oui. Ça se faisait. Et partout à Saint-Cyr, il y en avait, à Saint-Mumain, il y en avait des balles comme ça. Dans les cafés, ils avaient une salle et puis ils faisaient balles. C'est-à-dire, il y avait un accordéoniste. Il y avait un accordéoniste, au moins. Et d'accord. Puis, celui qui tape sur le... Et une batterie, quoi. Enfin, une batterie, quoi. Ah, ouais. Ouais. Hein? Et une question qui concerne hier, mais qui concerne aussi aujourd'hui. Quand on habite à Saint-Mémin, aujourd'hui, mettons, le pôle important pour aller faire des choses importantes, notamment des courses un peu importantes ou comme ça, c'est plus Brive que Périgueux, non ? La commune, ou moitié-moitié ? Je crois que c'est moitié-moitié. La commune est un peu divisée pour ça. Oui, c'est-à-dire qu'il y a l'Auvézère qui... C'est une première séparation. Oui. Hein? Les gens qui sont de l'autre côté de l'Auvézère, ils vont surtout sur Périgueux, Exideuil, Saint-Thirier. Voilà. Le reste de la commune, en tout cas vous autres, vous allez, même chez vous, vous allez quand même sur Saint-Thirier beaucoup. Oui. Mais ici, dans ce secteur, c'est la Corrèze. C'est la Corrèze. Ah oui. Vous êtes à combien de kilomètres de la Corrèze, là ? 1,5 km, à vol d'oiseau, là. Ouais. Donc vous êtes à Brive en une demi-heure, à peu près ? Il y a 34, de chez moi ici, à Brive, il y a 34 kilomètres. Donc, un tout petit peu plus d'une demi-heure. Et pour aller à Périgueux, il faut plus d'une heure. Et il y a 56 kilomètres d'ici, hein. Je vous donne la distance de chez moi, hein, du poteau de Brive. Voilà. Dans ton esprit, c'est Brive, toi. Ah, mais moi, tu vis Brive.
Hein? Tu vis Brive. Non, oui, mais va. Et puis, voilà. D'abord, je connais beaucoup mieux Brive que Périgueux. Quoi, je connais quand même Périgueux, mais... Pour ton approvisionnement. Et puis, de toute façon, j'ai toujours considéré, moi, que... c'est pas pour critiquer Périgueux, mais Brive, du point de vue commercial, du point de... c'est beaucoup plus attrayant, c'est beaucoup plus... Ils sont mieux d'un coup, disons. Oui, si vous ton approvisionnement professionnel, par exemple, ah ben, tout fait à Brive. Tout à Brive, oui. Voilà. Et puis, il y avait des quincailleries spécialisées pour les ébénistes, les charpentiers, tout ça, à Brive, qu'à Périgueux, tu ne trouvais pas ça. Non, mais Brive, ça a toujours été très dynamique. D'ailleurs, la préfecture de la Corrèze, c'est Tulle. Mais Tulle, y arrives. Hein? Mais non. Alors, oui, vous êtes quand même pas si loin que ça pour des Parisiens, pour des touristes qui veulent venir l'été, qui viennent en voiture avec l'autoroute qui arrive à Brive, après ils n'ont plus qu'une demi-heure, ou qui viennent en train à Brive, après c'est pareil, ils sont pas loin. Oui. Donc, c'est quand même pas mal pour des Parisiens. Le public parisien peut être touriste, quoi, je veux dire, facilement. Moi, je considère que la commune, elle est plutôt rattachée sur Brive que de ce côté-là. Hein. Mmh. Et oui. On a encore une gare à Pompadour. Donc, oui. Enfin, une gare, ouais. Oui. Il y a la Micheline. Mais qui marche. Ah oui. Vous avez des Michelines, Brive-Pompadour. Oui, oui. D'accord. D'accord. Donc à ce moment-là, on se retrouve à combien de kilomètres d'ici, à Pompadour ? Pompadour 13. Ah oui, c'est pas loin. Vous vouliez dire quelque chose, monsieur ? Mais Zut. Oui. Ce que je voulais dire, mais j'espère que ça filme pas là. Ah si, ça filme. Vous voulez que je coupe ? Non, mais bon. Bon, de toute façon, si vous voulez pas que je le mette, je le mets. C'est pas grave, de toute façon, j'ai l'habitude d'assumer ce que je dis. Vous parlez du tourisme, que les gens viennent de Paris, mais le problème, c'est que sur ces mêmes, bon, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais ils n'ont pas grand-chose quand même à faire. Bon, voilà, c'est ça. C'est pas... Il y a une... Moi, ce que je constate pour moi, c'est que il y a quelques années, quelques décennies, les gens de la ville venaient à la campagne, puis ils étaient heureux de vivre à la campagne. Ils étaient heureux. Les enfants s'amusaient, il leur fallait pas grand-chose. Ils descendaient se baigner à la rivière, à faire le Vézère. Les parents, il y avait les batteuses, ça durait un mois. Pendant un mois, les parents assistaient aux batteuses. Ils transpiraient un peu fort parce qu'on leur faisait porter un peu de paille. Mais après, le soir, au repas, ils mangeaient un bon coup, ils buvaient un bon coup. Et puis le lendemain, ils se reposaient, c'était bien. C'est vrai que maintenant, pour des gens qui viennent en vacances à Saint-Mémen, c'est quand même cru. Non. Il n'y a plus tout ça, c'est vrai. Bon, parce que les enfants sont habitués. Moi, je me souviens à mon époque, du moment qu'on avait un vieux vélo, toute la journée, on faisait du vélo, c'était bon. Maintenant, vous n'allez pas voir un gosse de 10 ou 12 ans faire du vélo toute la journée. Hein. Et puis Saint-Mémen, moi je crois, a un handicap, c'est sa situation géographique. Mais au contraire, on était en train de dire que c'était... Mais les gens, ils veulent pas tellement... Attendez, allez-y. Oui. Ah bon, pardon. Non, c'est moi. Les gens, ils veulent pas tellement venir par le train maintenant. C'est un peu... Ou non. Oui, c'est difficile. Non, c'est la voiture. Oui. C'est la voiture. Oui. Ça, c'est pas... Oui, oui. Bon, vous avez peu de gens. Moi, je me souviens de ça. Moi, j'avais un oncle et une tante qui vivaient à Paris. Ils venaient en vacances pour un mois. Eux, ils arrivaient à Thiviers. Bon, ils prenaient le taxi pour venir jusque chez nous. Parce que mes parents n'avaient pas de voiture. Bon, et le jour où ils repartaient, ils appelaient le taxi qui les ramenait à la gare et puis c'est tout. Et pendant un mois, ils ne se déplaçaient pas. Ils restaient là. Moi, mon oncle, il venait nous aider au champ, il allait à la pêche, voilà, ça lui suffisait amplement. Il était gardien de la paix le reste du temps à Paris, ça lui suffisait. Ma tante, elle, du moment qu'elle avait un peu d'ombre, c'était bon. Bon, là maintenant, vous ne verrez pas quelqu'un qui fait ça. Voilà. Vous ne passionnerez pas des enfants de 10 ou 12 ans dans des grottes, des châteaux et compagnie. Hein. Non, pas trop. Il faut reconnaître qu'il y a eu quand même un changement de mentalité. Et puis maintenant, moi, ce que je constate, c'est que les
l'Égypte, là, au niveau de la fréquentation, maintenant, s'il n'y a pas de piscine, ah oui, ça devient plus difficile. Hein. Mais même actuellement... L'Égypte avec une piscine, eux, ils trouvent des locations. Hein. Même. Mais ceux qui n'ont pas de piscine... Même ça ne remplit pas. Ça, c'est plus que c'était l'Égypte. Même ça ne remplit pas. Hein. Bon, je vois bien chez nous. Et puis j'en reviens à ce que je disais, que géographiquement, c'est malheureusement, c'est comme ça, c'est mal situé. Moi, il y a longtemps que je constate qu'à Saint-Mémen, il y a combien de temps qu'on compte entre 14 et 15 habitants dans le bourg. Eh oui. Vous n'avez pas connu plus, vous. Non, non. Et il y a combien? Il y a plus de 20 ans que ça dure. Les gens ne viennent pas habiter à Saint-Mémen, dans le bourg. Parce que le bourg, moi, écoutez, j'en parle en connaissance de cause. Parce que quand j'étais à la mairie, des fois, j'allais, pendant l'hiver, à la mairie, je voyais une ou deux voitures dans la journée venir à Saint-Mémen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas situé sur un axe. Les gens, il faut venir à Saint-Mémen, il faut y aller exprès. Par exemple, notre commune voisine là de Savignac-le-Bourg, c'est sur une voie où ça circule. Il passe 10 voitures, même plus, 20 voitures à Savignac tant qu'il n'en vient pas une à Saint-Mémen. Ça, il faut quand même... et on ne le changera pas. Donc, pour mémoire, vous êtes né en 1931 à Saint-Mémen. Oui. Ouais, dans cette maison. Dans cette maison. D'accord. Parce qu'à ce moment-là, les maternités, bon, c'était réservé. Alors donc, vous avez connu le Saint-Mémen hein, des années 40. Alors déjà, est-ce que vous avez comme ça quelques souvenirs d'époque? Ben, j'ai connu des gens qui maintenant sont décédés. Et on allait à l'école à pied, 4 km à pied, avec des sabots. On était en sabots. Je dansais la bourrée. Il y avait quelqu'un qui s'était occupé à nous faire faire un petit théâtre. Et une pièce de théâtre? Alors on dansait la bourrée. Ah oui, mais il y avait plusieurs pièces de théâtre. Mais moi, bon, j'avais 13 ans, je dansais la bourrée. Pendant la guerre, il fallait que les enfants des écoles, c'était... Comment dirais-je? Il fallait qu'ils fassent une promenade par semaine dans le paysage. Et on avait été vers Gaboura, dans les rochers de l'Auvézère. Oui. Et vous savez, il y avait du monde comme élève. C'est superbe. Il y en a, on était plus de 40 à Saint-Mémen. Dans combien de classes en tout? Ah, mais on avait... Il y avait le couple comme instituteur, monsieur et madame Robinet. Et alors, madame Robinet apprenait à lire jusqu'à monsieur Robinet, qui, lui, allait jusqu'au certificat d'études. Donc, il y avait deux classes. Voilà. Petit et grand. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des souvenirs des commerçants qu'il y avait dans le bourg même de Saint-Mémen? Oui. Il y avait, je pense, deux restaurants. Trois restaurants. Il y en avait trois au moins. Un en face de l'église. Il y en avait un autre. Encore un autre en face de l'église où était Rachel. Et puis chez Père Amor, en bas, à droite en arrivant. Et je pense qu'ils tenaient tous épicerie. En même temps. Puis petit à petit, ça a disparu. Il y avait peut-être un tabac? Mais je pense que c'est... Il faisait tabac en même temps. D'accord. Oui. D'accord. Donc, vous alliez à l'école, ça faisait 4 km. Aller-retour ou aller simple? Mais aller simple. Alors, oui. 8 km par jour pour aller à l'école, oui. En sabot. Oui. Dites-le-moi, oui. Nous faisions 4 km en aller et 4 km au retour et en sabot parce qu'on ne portait pas de chaussures comme maintenant, bien appliquées, où le pied était à l'aise.
Et vous avez fini par avoir votre certificat d'études ? Ah oui, avec un an d'avance. Ah, mon instituteur avait demandé une dispense. Parce que notre instituteur était mort, il y a eu une remplaçante de Terrasson, mademoiselle Lomont, qui, vu, j'étais bonne en français, qui a demandé une dispense pour mon certificat d'études. Alors la dispense n'est pas arrivée à temps, mais elle m'a amené quand même. La dispense est arrivée après le certificat d'études. Ah, d'accord, formidable. Donc vous l'avez eu à quel âge ? Oh, 13 ans. 13 ans. Alors donc il y avait d'autres commerçants ou artisans au village ? Oui, il y avait deux sabotiers. Et il y avait un charron. Monsieur d'Auvergne. Oui, le grand-père des habitants actuels, quoi. D'accord. Oui. Bien. Vous n'avez rien de particulier relatif à la guerre ? Il y a eu des Allemands, il n'y en a pas eu. On les a très peu vus, je suppose, parce que ce n'est pas sur un axe. Oui, moi j'étais partie à Clairvivre chez ma sœur et mon beau-frère. Parce que j'avais entendu dire, ma mère m'a dit, tu vas aller à Clairvivre avertir. Bon, ta sœur et ton beau-frère, que les Allemands risquent de passer dans la région. Et j'y suis allée. Moi, je ne les ai pas rencontrés. Mais ils sont passés en haut de la route. Et ma grand-mère, qui avait peut-être... elle était née en 1890, alors vous voyez juger de l'âge qu'elle avait. Oh, elle est partie dans les taillis. Et mon père aussi, il n'y a eu que ma mère qui est restée. Et il y avait une dame, une réfugiée, qui était à Clairvivre, qui était venue acheter des pommes de terre. Elle est remontée tranquillement à la route. Et ma mère a vu que les Allemands sont passés et ils se sont arrêtés, sans doute pour parler à cette dame. Mais ils ont filé. C'est après qu'ils sont partis à Génisse et puis Cuba. Et là, je crois qu'il y a eu des morts. Là, ils ont battu des gens. À Cuba, je crois que c'est... D'accord. C'est pas par hasard, on n'est pas en 44 et c'est pas remontée de la division d'Astreich. Non, c'est pas ça. Mais c'était... Je sais pas quelle année ça... Parce qu'en 44, il y a la division d'Astreich qui est passée par Terrasson, donc c'est pas très, très loin. Oui. Qui est remontée, qui a fait au radour sur Glane. Hein, mais là, ils sont juste passés. Non, mais c'était plutôt en quelle année, là, ce que vous me dites, là, à peu près, madame. A priori, comme ça. J'avais peut-être 14 ans. 14 ans, oui. C'est ça, 44 alors. Oui. Oui, parce que évidemment à Clairvivre, d'après ce que j'ai lu et compris, il y a beaucoup de Strasbourgeois, et notamment des grands chirurgiens, qui se sont repliés là, et en réalité qui ont soigné beaucoup de résistants locaux, et qui sur les livrets marquaient accident du travail, accident du travail, accident du travail, accident du travail, alors que ce n'était pas des accidents du travail, c'était des faits de résistance. C'était l'hôpital de Strasbourg qui était venu se nicher à Clairvivre. Voilà, alors vous avez quelques souvenirs de ça ? Vous avez croisé des Strasbourgeois ou des Alsaciens ? Mais même encore, et pendant longtemps, il y a eu des Strasbourgeois qui reviennent tous les ans, qui sont nés à Clairvivre, qui s'en souviennent. Les parents, même les parents décédés, après ils sont revenus, les enfants sont revenus, maintenant ils ont 50 ans. C'est une sorte de pèlerinage. Ah oui, c'est exact, tous les ans. Oui. Et vous, à l'époque, les rapports que vous entreteniez avec les Alsaciens ? C'était sympathique. Ouais. Oui, c'était sympathique. Ouais. Oh oui, très, très sympathique. Ouais. Ils avaient leur cantine où ils faisaient de la cuisine alsacienne, des choses comme ça. C'était eux qui faisaient leur cuisine. Ouais. C'était eux leur cuisine. Ouais. Oui, oui. Ouais. Okay. Ils ont trouvé que notre région était en retard à côté d'eux. Il y a une dame qui me disait quand même, mes parents étaient agriculteurs. Mais c'était autre chose. Quand on est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ça bizarre. Mais parce que l'Alsace, c'est une région qui est riche. Moi,
j'ai ma fille qui est mariée avec un Strasbourgeois qui habite à Strasbourg. Alors on connaît bien. Et d'ailleurs, mon beau-frère était venu instituteur pendant la guerre à Clairvive, instituteur des Strasbourgeois, en fait des réfugiés. Et les bonnes sœurs étaient institutrices des filles. Également d'origine alsacienne. Ah oui, ah oui, oui. Et mon beau-frère, donc, il a fait de connaissance avec ma sœur. C'est avec lui qu'il s'est marié, quoi. Et il était alsacien, et puis après, ils sont partis à Strasbourg, la guerre terminée. Bien sûr. Oui, le progrès. Oui, le progrès. Comment vous l'avez perçu? Comment vous l'avez vu? Quels ont été les signes tangibles? Mais avec plaisir. Moi, je suis pour le progrès. Parce que, mes parents étant agriculteurs et nous étions quatre filles, alors vous savez, nous les filles, il a fallu travailler. Hein? Moi j'ai pilé les charrettes de fouet, on allait sarcler. Et alors après, quand il y a eu quand même le motoculteur, le tracteur, d'ailleurs le tracteur on l'a eu que lorsque je me suis mariée, il y a longtemps que j'en ai entendu parler que la région ne pourrait être sauvée que par le tourisme. Mais il faut que les gens veuillent bien, les gens qui sont dans leurs habitudes, dans leur marasme, c'est pas évident pour aborder. C'est qu'il faut avoir l'esprit ouvert. Oui, parce que c'est difficile le tourisme. Pourquoi ? Il faut savoir intégrer les gens, avoir le contact. C'est mais, ça. Mais vous, par exemple, vous l'avez le contact. Je suis là depuis un quart d'heure, j'ai déjà mangé un kilo de gâteau. Oui, mais. La langue, à la rigueur, mais oui. C'est tout. Oui, mais qu'est-ce que je suis? Un grain de sable dans la mer. Ah bah, à Saint-Mémin, vous n'êtes pas un grain de sable dans la mer. D'abord, c'est une mer qui ne fait que 310 grains de sable. Hein? Ouais. Donc, non, je veux dire, ce qu'il ne faut pas. Mais oui, je l'ai entendu dire, oui, c'est vrai. Ils sont difficiles à aborder, les touristes? Ah non, moi, ils ne me font pas de peine. Non. Ah non, au contraire. Bon. Ils sont enchantés. Dernièrement, on avait eu un monsieur qui était de passage. Alors, on a discuté, j'ai montré mes tableaux. Mais qui me dit, mais vous êtes la plus jeune de la famille. Il y avait ma fille et mon gendre. En partant, il me dit, mais vous êtes la plus jeune de la famille. Oui. C'est l'esprit. Oui, c'est l'esprit. Ouais. Oui, c'est l'esprit. C'est l'esprit. L'esprit, l'esprit. Ouais. Même avec rien, il y a toujours un petit rien qui me marque, qui me sert à avancer. Comme dans le Sivam, là, quand on allait faire des voyages. Ben, c'était pas que pour se promener, il y a toujours quelque chose qui vous retient et qui vous fait progresser. Oui, donc après ça dépend des personnes, effectivement. Oui. Vous avez l'esprit curieux, ouvert, etc. Donc oui. C'est sûr que ça aide. Mais donc pour en revenir au tourisme, à part ça, vous verriez d'autres activités qui pourraient se... Est-ce que vous croyez à la théorie des néo-ruraux, c'est-à-dire les urbains qui en ont marre de la ville et qui veulent faire des chèvres comme dans les années 70? Est-ce que vous croyez que ça, c'est encore quelque chose qui est possible Je ne sais pas. Vous avez des gens, ça dépend de la personne. C'est qu'il faut qu'elle sache écouter les autres, si elle connaît rien. Mais s'ils veulent écouter les autres qui ont de l'expérience, parler et ne pas avancer trop vite, ils peuvent réussir. Si. D'accord. Mais il y en a beaucoup qui se sont fait des illusions. Vous savez, pour être paysan, il faut être élevé dans une ferme. Et pas avoir peur de marcher dans la boue.